Coucou tout le monde. Bonsoir. Salut Guillaume. Comment ça va? Bon, j'espère que je ne parle pas trop fort. Non, ça me paraît bien. Ouais. Alors attends, faut que je fasse un truc. Tic tac touc, voilà. Salut Stéphane. Ça va tranquille? Bah écoute, moi c'est pareil. Ça va tranquille. Comme d'habitude. Salut Izuku. Hop, attendez, je me mets bien. Je m'installe nickel chrome. Parce qu'ensuite on sera sûr de la dégustation, mon gars. Ah, la manette, tu viens ici. Salut Romain. Salut Albator. N'empêche, hein, je sais pas si vous l'avez un petit peu entendu la musique là avant que j'arrive, mais elle est vraiment bien. Hein. Elle est très très sympatoche. Pourquoi? Pourquoi du Pirate des Caraïbes? Je ne sais pas, je ne sais pas. On attend bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, que les gens rejoignent le stream. On attend jusqu'à 20 à peu près. 20, 21. Et ensuite, Roule ma poule reprendra là où on s'était arrêté dans la découverte, enfin dans le premier épisode. Salut Scorpio. Bon, j'espère par contre, hein, que vous avez regardé le premier épisode. Parce que si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous allez être totalement perdu. Et vous allez vous faire spoiler à mort. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est pas la peine de rester. Hein. Ouais, là, j'ai été voir quelques tests. Ah bah écoute, Romain, tu vas être totalement spoilé. Tu as raté. En vrai, Romain, je serais tenté de te dire, ça ne sert à rien de venir sur des let's play déjà entamés si t'as pas vu le début. Hein. Parce que là, tu as raté 1h30 de vidéo. Hein. Tiens là, ce petit thème. Là, tu vois là, ce petit thème là. Salut Cassé. Ah, la bio est bien. Donc ouais, salut Jean-Marie. J'ai vu que le jeu faisait plus dans les 25-30 heures que dans les 20 heures. Et comme le premier épisode il a bien marché mais sans plus, je me suis dit que j'allais pas me marquer pour un jeu de 30 heures en VOD si déjà les gens au premier épisode ils sont pas plus emballés que ça. Et finalement je me suis dit vas-y on va le faire plutôt en live, comme ça on va avancer bien plus vite. Et surtout moi ça m'arrange, comme ça je n'ai pas de VOD à faire, je n'ai pas de montage, de rendu et tout. Je peux me consacrer à d'autres choses, comme par exemple à la suite de Skull and Bones. J'ai quelques épisodes là qui vont arriver. Demain, vous aurez également la suite et fin de The Last of Us. Et bah, puis voilà quoi. Et je pense que je vais continuer à vous reproposer un peu de Eldiver 2. Là, j'ai débloqué des modes de difficulté bien vénères. Donc ce serait bien. De les voir. Je ne raconte pas Jean-Marie, je ne raconte jamais ce qui se passe. Je pars du principe où quand je démarre un stream avec un 2, un 3 ou un 4, c'est qu'il y a eu un 1. Et s'il y a eu un 1, si les gens prennent pas la peine de regarder le 1, bah du coup voilà. Désolé. Ah ben voilà, Jean-Marie. Quitte le live Jean-Marie, regarde le premier épisode. Et comme ça, tu seras enfin, comme quoi que, voilà, faut déjà regarder le premier épisode et ensuite ce deuxième épisode qui va durer facile 2h30, 3h.
D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si c'est pas déjà fait, et je sais qu'il y en a qui l'ont pas fait, le petit pouce, ça mange pas de pain, et ça aide. Quelle heure il est là? Ah, il est 21! Ah bah comme quoi, ça avance. Ça avance. Donc attendez, hop. On va déjà appuyer sur la toutouche. Je veux juste voir un truc. Le gamma, on n'y touche pas. Le flux cinétique, ok. L'audio, on n'y touche pas. Non, c'est good. Ok. Bon allez, on est parti. On va reprendre là où on s'était arrêté. Et on s'était arrêté dans la maison de Esther. La femme qui avait perdu son mari. Et qu'on avait... je sais pas comment on appelle ça. Pas purifié, mais on l'avait absolu... Enfin, alors, je sais pas comment on dit ça, mais bref, il était parti au ciel. Et là, c'est écrit rejoindre Red à l'école. Donc bah, vas-y, let's go. Ah non, merde, c'est pas par là. Excuse-moi, Esther, de te déranger. J'ai emprunté la mauvaise porte. C'est là. Voilà. Ok, ok, ok. Donc là, il faut que j'aille par là. Mais attends, il y a quelqu'un en face qui tourne en rond. Regardez, elle ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je me comporte comme un robot. Je tourne en rond. 10 jours? Non, rien, que dalle. Toi, t'es toujours là. Je vais voir si on n'a pas des nouvelles lignes de dialogue. Sait-on jamais? Encore vous? Oui. Ah, voilà. J'ai entendu dire que certaines personnes avaient des cauchemars. Vous en faites partie? Non, je suis pas du genre à être hanté par des fantômes ou je sais quoi. Je dors du sommeil du juste et je fais aucun rêve. Tous ceux qui disent le contraire mentent. Ou pas? Peut-être que toi, tu me mens, hein? Tu es peut-être une menteuse, n'est-ce pas? Hein? Peau dure. C'est quoi ton vrai prénom, en fait? Je peux vous poser des questions sur l'église? J'y suis jamais beaucoup allée. Davenport m'en voudrait, mais je suis pas du genre à rester assise. On se tient tous à distance de l'église maintenant. Je vous conseille de faire pareil. D'accord. D'accord. Merci de votre aide. De rien. La nénette, elle est blasée. Salut Gortaga. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va retourner vite fait dans l'auberge et je vais voir encore une fois si j'ai pas des dialogues supplémentaires par rapport au personnage avec qui on avait parlé. Notamment toi. Gouverneur. Comment puis-je vous aider? Ah, ben voilà. Vous désapprouviez l'approche de Charles concernant la malédiction. Oui, et alors? Je ne suis pas un bannisseur. Je suis un homme de Dieu. Charles Davenport était un homme de Dieu. L'un des meilleurs. Je suis tout à fait d'accord. J'admirais particulièrement sa capacité à intégrer autant de visions du monde, même lorsqu'elles étaient contraires aux nôtres. Vous faites des cauchemars, gouverneur? Oui. On en a discuté avec Charles. Et vos conclusions? Je suis persuadé qu'un malfaiteur non identifié a invoqué un démon pour persécuter les habitants de New Eden. Henri Boguet écrit dans son discours exécrable des sorciers que certains démons peuvent provoquer des insomnies ou des cauchemars. La loup. Par exemple. Le révérend pensait, au contraire, que nous faisions face à un fantôme. C'est lui qui nous a convaincus de vous engager. J'espère de tout cœur qu'il avait raison et que j'avais tort.
Est-ce que vous avez rêvé de l'église ? Non. Attendez. Maintenant que vous le dites, je n'en rêve pas. Mais dernièrement, j'y pensais bien trop par rapport à l'importance que je lui donne. Comme si j'avais quelque chose à faire, quelque chose d'inconnu, de mystérieux, d'inachevé. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, mon poteau. Je vais y aller. Je suis là si vous avez besoin de moi. Et je m'en vais. Je sais pas s'il y a d'autres gens avec qui je pourrais parler. Parce que là, tu vois, ça me dit d'aller ici. On va faire le tour. Là, tu vois, on pourrait continuer tout droit. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais passer par là. Et comme ça, ça va nous ramener finalement à l'objectif. Peut-être que je vais y croiser des gens. Peut-être que on va pouvoir blablater avec des gens qui nous diraient des choses intéressantes. On va savoir. Là déjà, c'est mort. Là-bas au fond, il y a quelque chose en surbrillance. Là, la porte, elle est fermée. Là, on a récupéré quoi ? De l'argent. Je pense qu'il n'y a personne. Tiens là. Cette partie de la ville est fermée par décret du gouverneur. D'accord. Du coup, je l'ai dans le baba. Demi-tour. Moi qui pensais qu'on allait pouvoir passer. Et là, regardez, j'avais pas fait gaffe. Mais au-dessus de notre tête, il y a une église. J'avais pas fait gaffe à ça dans le premier épisode. Mais voilà, j'ai vu encore une fois. Alors, je sais pas, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai vu quelques tests du jeu qui disaient que, en gros, le gameplay était efficace, mais quoique un peu répétitif, surtout dans la durée, au niveau de la construction du jeu. Il va y avoir un petit côté assez répétitif hein, dans la structure. Mais par contre, si vous êtes comme moi et que vous aimez les histoires, les bonnes histoires, si vous aimez la narration bien fichue, si vous aimez des personnages bien travaillés, bah là, franchement, c'est le jeu pour vous. Vraiment, ça, c'est un jeu narratif qui apparemment est extrêmement bien fait, surtout sur tout le côté narratif. Ça pêche au niveau du gameplay, même si, de ce que j'ai compris, c'est assez efficace. Mais vraiment, le gros point fort du jeu, c'est vraiment son histoire, son ambiance, ses personnages, les choix qui nous seront proposés. Donc voilà, moi c'est vraiment un jeu qui va me plaire. Parce que même si forcément, au niveau du gameplay, on va se retrouver avec quelque chose qui n'inventera pas la roue, c'est pas grave. Tant qu'on vit une histoire vraiment qui nous immerge, une histoire qui nous captive, moi je dis pas non. Le cimetière est fermé. Le chemin vers l'église est fermé. Couvre-feu, quand il fait noir, restez chez vous, pas de trouble, pas d'agitation. Ce n'est pas une coïncidence si personne ne sait ce qui est arrivé à Charles. Ça y est, vous avez fini d'entendre Fairfax caqueter. Ce type a le chic pour faire des phrases à rallonge sans jamais ne rien dire. Dites-moi, capitaine, que signifie votre rang ? La milice ? Je gère la milice. J'anticipe aussi les menaces. Les indigènes, les brigands, les Français et autres monstres. Mais la malédiction, c'est une autre paire de manches. Pas même le pauvre Davenport n'a vu ça venir. Un avis sur l'origine de la malédiction ? Aucun qui ait de la valeur. Je suis militaire. Pas un artiste des forces occultes. Je vais prendre ça comme un trait d'humour. Vous ne croyez pas en mon travail ?
Je peux dire que vous êtes une femme talentueuse et compétente. Je respecte ça. Le reste, c'est votre domaine, pas le mien. Moi, je suis de la vieille garde. Vous et votre novice écossais, vous incarnez l'espoir. Vous feriez mieux de gagner. Podur a peur que vous abandonniez. C'est vrai? Je n'abandonne jamais. Mais si la malédiction est une punition de Dieu, ne devrait-on pas capituler? La vision de Podur est trop simpliste. Parlez-moi de Podur. J'aimerais que mes hommes lui ressemblent plus. Ils seraient de vrais guerriers, de vrais survivants. Vous avez peur du châtiment de Dieu? Pas à vous. J'ai entendu dire que la malédiction faisait faire des cauchemars. Est-ce votre cas, monsieur? Mon sommeil ne concerne que moi, ainsi que mon humeur au réveil. Occupez-vous plutôt de vos affaires, et pas des miennes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'église? Davenport l'a fermée. Vous avez l'air surpris? Non, je ne le suis pas. N'allez pas à l'église. N'y allez pas. Et au cas où vous n'auriez pas bien compris, n'allez pas à l'église. Ok, donc on va aller à l'église. C'est sûr et certain. Faut pas que t'ailles à l'église. Je répète, faut pas que t'ailles à l'église. Et je vais te le redire une troisième fois parce que jamais 203 n'allez pas à l'église. Et Antea, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, je vais y aller. Je reviendrai plus tard. Ah oui, je serai back. Là, jusqu'à ne plus l'être. Et donc du coup, si j'ai bien compris, il faut que j'aille à l'église, hein. Là, on a quoi? Cette ville a vraiment besoin d'un bannisseur. Doomsday, Ascom. Ouais, non mais Guillaume, je vais y aller quand même, hein. Il m'a dit de pas y aller. Et moi, je suis un gamin. Quand on me dit de pas faire quelque chose, bah je le fais quand même. Moi, j'ai 8 ans d'âge mental, hein. On me dit de pas toucher à la purée, moi j'y mets les doigts dedans. Hein. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'une des bannisseuses d'Askel, j'imagine. Antea Duarte. Mon ami Red MacRae n'est pas loin. Hugh Bachelor, le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle... elle n'a plus d'utilité. Ce sera tout. Oh non, j'ai plein de questions à te poser, mon gars. Salut Rudy, attendez, je vais vous rehausser un peu le volume des voix. Ok. Si le son du jeu est trop fort, vous me le dites. Moi, je fais en sorte à ce que vous ayez une très bonne expérience auditive du jeu. Hein, je veux faire en sorte à ce que vous entendiez bien les voix, les dialogues et tout. Par contre, après, dans les combats, quand il va y en avoir, si c'est trop fort, dites-le moi. Parlez-moi un peu de la malédiction. Dieu scrute attentivement New Eden. De meilleurs jours nous attendent, à condition que ses serviteurs restent humbles et fidèles. Est-ce que je sens une pointe de mépris, monsieur Bachelor? Je m'attendais à un accueil plus chaleureux. Oh, je ne doute pas de votre honnêteté, ni de votre volonté de combattre le diable. Mais nous avons prié pour le salut. Et, madame, sans vouloir vous offenser, vous n'êtes pas un ange. Est-ce que vous faites des cauchemars, monsieur Bachelor? Vous ne voulez pas que je vous les raconte. Dites toujours. Dans mes rêves, des démons chantent et profanent notre précieuse église, puis la réduisent en cendres. Deux pauvres âmes y sont piégées. Un homme et une femme qui hurlent des serments et des malédictions dans d'étranges langues. Je me réveille en sursaut et cours à la fenêtre, soulagé de voir que l'église tient toujours debout. Les deux personnes dans l'église, est-ce que ce serait pas Antea et Red?
Et les incantations, ce serait pas des rituels? Est-ce que le mec ne rêverait pas, n'aurait pas rêvé de ce qui va arriver dans les prochaines minutes? Vous saviez que d'après le révérend Davenport, l'église était hantée? Oui, à sa plus grande honte, notre regretté révérend a arrêté ses services et a fermé l'église. Ce qui nous arrive n'a rien d'une surprise. Et vous pensez qu'il y a quoi dans l'église? Mademoiselle, si le diable se trouve dans notre église, alors nous, peuple de New Eden, avons échoué à répudier son œuvre. C'est évident. Et enfin? Où sont les enfants? Plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre. Nous voyons le désastre venir. Nous avons pensé devoir tous les enterrer. Nous les avons mis en sécurité. Nous les avons envoyés ailleurs. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne doit toujours pas l'être. Non. Oh que non. Au revoir, Monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Je ne vous souhaiterai pas bonne chance. Je vous souhaite de trouver le salut. D'accord. Vous, monsieur? Dégage de mon chemin. Ok, d'accord. Je vois que monsieur est énervé. Ah, du coup, je peux aller par là. Ça, c'est bien. J'ai besoin d'être un instant seul avec Dieu. Bon, allez, on va arrêter de papillonner. On va se rendre sur place. Là, ici, la porte... Non, on peut pas y aller. Il y a notre petit copain qui nous attend, donc on va pas le faire traîner. On va pas le faire attendre. Ça, je récupère. Technique des bannisseurs. En tant que bannisseurs, nous ne sommes ni des guides spirituels, ni des inquisiteurs. Nous sommes des chasseurs de fantômes à louer, des artisans spécialisés et sensibles que nous nous entraînons durement pour protéger les vivants à l'aide de nos rituels et connaissances sur les fantômes et les spectres. Nous ne sommes pas un culte. Nous n'avons aucune hiérarchie ni dogme établi. La raison évidente pour laquelle un bannisseur devient bannisseur est qu'il ou elle veut protéger les vivants des morts. Et ce, qu'importe la raison, nous sommes efficaces, versatiles et savons nous adapter. Et blablabla et blablabla. Parce que bon, il y a quand même des choses à lire. Il est là, le poteau raide. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Je t'aime, Red Macris. Mais... Mais en matière de fantômes, ton cœur te rend imprudent. C'est dangereux. Tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. Charles aurait fait pareil pour ton fantôme, ou pour le mien. J'ose espérer qu'il aurait au moins hésité. Charles était un homme bon, plein d'amour. Bannir son fantôme n'aurait pas été facile, mais ça aurait été juste. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance, tu le sais. On est bannisseur. On met fin aux souffrances des vivants. Et on apporte la résolution aux morts. Un fantôme peut souffrir aussi.
L'ascension y met fin de manière plus douce. Plus douce, mais pas plus sûre. Mieux vaut bannir pour de bon. Tu me bannirais, si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerai d'entre les morts. C'est pas drôle. Je te gaverai d'essence fraîche. Je te donnerai tellement d'essence que tu reviendrais gonflé de vie. Voler de l'essence aux vivants pour me nourrir, tu ferais jamais ça. Tu n'es qu'un vieil ours mal léché, Red MacRaise, et je ne te laisserai jamais partir. Il faudra me passer sur le cadavre. Et moi qui pensais être le plus sentimental. Mais tu l'es. Tu crois que Charles avait raison? Que ce truc dans l'église pourrait être un... Comment il appelait ça, un cauchemar? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires, même pour les bannisseurs. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. Pauvre Charles. Pauvre Esther. Pauvre Esther. Salut Val. Antea. Elle a pris son bout de feu. Et elle dit que c'est moi l'imprudent du groupe. Elle est partie toute seule? Ah merde! Où es-tu? Tu n'es quand même pas dans l'église, j'espère. Oh mais... Cette ambiance visuelle et sonore, mon gars! Ah non mais... oui, clairement, ça pue la malédiction. Ah, écoutez! Y'a la cloche qui sonne! Qui est là? Antea? Comment ça se fait qu'il n'y ait plus personne? Tu me diras peut-être que tout le monde dort. Mince, je peux pas y aller. Mais what? Mais ils ont fermé l'accès! Je passe par où moi? Par là? Mince! La carte. On va essayer de voir pour passer à gauche. Allez. J'espère que ça va être good. Pourquoi t'es allée là-bas toute seule? Bingo! Elle est passée par là. C'est ouvert. Antea! Ah mince, je ne suis pas seul. Doucement, récupère. J'avais pas vu Antea. Récupère ça. Non, si je pète les caisses, ça ne sert à rien. Pour l'instant, ça le fait. T'aurais pu m'attendre. Peut-être qu'Antea a compris que ce serait peut-être vraiment un cauchemar et que tu n'aurais aucune chance. Peut-être qu'elle a considéré qu'il valait mieux te laisser en arrière pour qu'elle ait toutes ses chances et que tu aies toutes tes chances de survivre. Va savoir. Non mais Val, faut que tu regardes l'entièreté du premier épisode, hein, sinon tu vas passer à côté de certaines choses. Hein.
Mais recule! Super. Là, on a du cerfeuil. Là, on a agaric ciré. Oh, c'est un champignon. Anthea ? Aveugle, toute aveugle. Oh, Red, tu ne comprends pas. On n'avait aucune chance. Anthea ? Tu es blessée ? Tu es où ? Je suis ici, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis ici, mon amour. Comme c'est pathétique. Montre-toi. Dieu apparut à l'homme dans un songe et lui dit : voici, tu es mort. Mais l'homme n'avait rien fait de mal et répondit : Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes ? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que l'abandon. Où est Anthea ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Par les baloches de Satan. Si tu lui as fait du mal ! Tu es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas. Ça n'existe la ciguë. Non. Anthea ! Elle est stylée, hein ? Vous serez engloutis ! Nous ne venons pas en ennemis. Mince ! J'ai encore deux potions. Les potions sont symbolisées, enfin, sont indiquées en bas à gauche. En bas à gauche. Nous sommes là. Si t'as touché un seul de ces chiffres. Quoi ? Tu lui viendras en aide ? Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que...
le châtiment. Lâche-le. Comme c'est touchant. Tu es venu chercher ton homme. Tu crois que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. Que de la trahison. Je te propose un marché. Il reste ici et tu gardes la licence. Je ne marchande pas avec les fantômes. Tu penses avec ton cœur, donc avec ta cervelle. Tu es faible. Non! Anthea! Lui viendras-tu en aide, maintenant que tout est perdu? Si c'est le cas, je t'attendrai. L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. Prenez-moi à sa place, hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris et s'approcha de lui. Laisse-la partir. Prends-moi sa place. Laisse-la partir. Ah, tu es réveillée. Qui es-tu ? Celle qui t'a sauvée, qui t'a soignée pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines ? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Oui. C'est pour ça que tu es ici. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Qui es-tu ? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Pourtant, je sais que non. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi ? Tu es confus, c'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié, et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière ? Oui. Je m'appelle Chercheuse. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Ah. Comment tu te sens ? Quelle importance. Bien sûr que ça compte. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Qui t'envoie ? Elle s'appelle Ciridian. Et mes mains, comme mes mots, lui sont entièrement dévouées. Voilà.
Ne cherche pas plus loin. Cyridin, cette petite chercheuse qui t'a demandé de me trouver ne serait pas écossaise ? C'est Ciri Diane. Elle est trop âgée pour être originaire de quelque part en particulier. Mais oui, elle m'a dit où te trouver. Ce cauchemar, sa façon de parler, sa façon de transpercer. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il est rare de le voir. Et encore plus d'y survivre. Qu'est-ce qui a attiré un esprit si puissant ici ? Qui sait ? Quelque chose d'horrible, sans aucun doute. Les pires colères naissent des torts les plus terribles. Ce sont les mots d'un ami. Il voulait nous mettre en garde. Une loi immuable. Tu as des amis avisés. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment ? Comment je vais m'en sortir tout seul ? Tu n'es pas seul. Garde la foi. Si Ciri Diane m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi. Garder la foi, tu dis. Mais tu ne me connais pas. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Dans la vie, rien n'est censé être facile. C'est ce qu'on obtient à la dure qui compte. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Pourquoi m'avoir sorti de l'eau ? Qu'est-ce que tu me veux ? Moi, je ne te veux rien. Mais ma maîtresse, si. Ciri Diane dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red MacRae. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvé, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu ? Je repars auprès de Ciri Diane. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver, si j'ai besoin de toi ? Au Marais Bourbeux, d'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors, à bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi ? Je m'en vais. C'est quoi, ça ? Salut Michel. La mort appartient aux morts. Là, on a quoi ? Bannisseur, si tu lis ceci, ton cerveau fonctionne assez pour déchiffrer l'alphabet. Tu n'as pas résisté à la tentation de fouiller dans les affaires que j'avais laissées. Tu peux prendre tout ce qui te semble utile, vu que ma maîtresse veut que tu vives. On se reverra bientôt. D'ici là, prends soin de toi, chercheuse. Allez hop là. On va se remplir les poches, inspecter. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère pas m'en approcher. Ouais. Là ici, boubili baboup, je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau de cette grotte. Il est temps de sortir. Et de constater que dehors, c'est assez chouette. Là, c'est quoi ? Non. Mettez-moi ça.
sympa, non? Attendez, est-ce qu'il y a un mode photo? Ouais. Alors, si je fais ça... Ah, c'est que ça. Tac. Oh, doucement. Un petit peu, comme ça. Hop. Si je fais comme ça, plutôt. Ah ouais. Et là, maintenant, je fais... Caché. Pas mal, hein? Là, on voit au loin des navires qui ont échoué. N'oubliez pas que là, on est vraiment au tout début de la colonisation de l'Amérique. Donc, il y a des navires hein, qui ont fait la traversée et qui, hélas, se font envoyer vers le rivage à pleine balle. Et tout le monde meurt, quoi. Ça, c'est arrivé, hein. J'avais lu comme ça, là, des petits reportages qui racontaient un peu le passé avec des extraits de journaux, je vais y arriver. Où, voilà, sur tant de navires qui partaient pour le Nouveau Monde, hein, t'en avais un bon pourcentage hein, qui n'arrivaient jamais sur place. Ou alors qui arrivaient sur place, mais vraiment dans des conditions très très déplorables. Franchement, pour un double A, il est vachement beau. Hein. Parce que oui, hein, c'est pas un triple A. Hein. C'est pas un jeu qui est l'équivalent d'un God of War, qui serait l'équivalent d'un The Last of Us. Ça, ce sont des triple A, des jeux à très gros budget. Là, nous sommes sur un double A. Hein. C'est un jeu qui a un bon budget, mais pas plus que ça. Là, ici. Et d'ailleurs, j'ai appris là hier en regardant les tests que le studio qui avait pondu ce jeu était le studio qui avait fait le très bon Vampire il y a quelques années. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Ah, il est sorti il y a facile 4-5 ans quoi. Mais il y a un truc au fond là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bizarre. Ouais, c'est ça, c'est un double A+. Un petit peu l'équivalent de A Plague Tale Requiem. Bien quand je pense que Requiem il est un peu plus haut en termes de budget, mais on a quand même un jeu qui est du même acabit. À mon humble avis. Là forcément on est qu'au tout début, donc je dis ça vite fait là, mais sans trop m'appuyer sur l'expérience que nous a procuré ce jeu, mais peut-être que dans les heures qui viennent là on pourra dire oui en effet. C'est un jeu qui est plutôt l'équivalent de Requiem que l'équivalent forcément encore une fois de God of War. Ça, on récupère. Attends, je vais courir un peu là parce que sinon on va mettre 40 ans. Hop, 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 hop. On va pas passer à côté de ça. S'il y a des choses à récupérer, c'est pas pour rien. On va sauter. Des petits sauts de téléportation. Hein. Comme pour Antea. Antea avait cette possibilité de faire des téléportations en sautant. Bah lui c'est pareil. Mon Dieu, c'est pas le moment. Allez, amenez-vous.
Indicateur de menace. Oui, ça j'ai vu. Laisse-moi t'approcher, sale clébard. Aïe. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bah t'es en train de taper des clébards, mec. Voilà ce que tu fais. Enfin des clébards, plutôt des espèces de loups. Ah ouais! Des loups qui bouffaient un mec, hein. Enfin, en tout cas un humain. Hop. Parce que là, ouais, encore une fois, vu qu'on est au tout début de la colonisation du Nouveau Monde, on va vraiment explorer des territoires très peu habités par l'homme. Encore au stade naturel. Si vous voyez ce que je dis. Pas ce que je veux dire. Allez, on passe. Ah, tu vois, on peut pas courir. Tu me diras, c'est judicieux, hein. Quand tu traverses sur un rondin comme ça, un peu humidifié, t'évites de courir pour pas tomber. Ah, je peux aller par là? Voilà, le jeu me dit qu'on peut aller par ici, mais il y a un chemin qui rebrousse, enfin, qui va en arrière. Donc là, on va récupérer ce qu'il y a au niveau de l'arbre. Donc là, c'est un champignon sabot. Et dans ce coffre... On a récupéré quoi? Cerfeuil sauvage, pièce de 8 x 32 et cuir x 4, d'accord. Allez, on se magne, mon petit raid. Ah, ok. Mais c'est que tu grimpes vite! Ah, ok. Loup alpha. Attends, mais je pouvais faire un truc là. Tu vas te cacher, oui. Tu me saoules. Attends. Voilà. Laisse-moi tranquille. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Anthea? Attends. Bouge pas, mon poteau. On va récupérer ça. Je sais pas si on peut prendre tout et n'importe quoi au niveau de ce qui nous entoure. Ah, excusez-moi, j'ai mon réveil qui sonne. Voilà, faut que je me réveille. C'est good. Donc là, tu vois, j'ai deux chemins. J'ai un chemin qui va vers la grotte et j'en ai un autre qui va par ici. On va checker. Ouais, salut Nico. Hein. Non, je crois pas, je t'ai pas dit bonsoir. Ok. Ah d'accord, ok. Il y a des choses à récupérer. Et je trouve hein, que l'interprétation est vraiment bien faite. Hein. Le doubleur semble vraiment investi hein, dans ce qu'il dit. Des fois, tu as des doublages en français hein, qui sont un peu impersonnels. Où tu vois que c'est un peu dit sans trop y croire.
Alors que là, non. Non, merde, c'est A. Où est-ce que je suis? J'y crois pas. C'est pas possible. Salut Molotov. Antea. Comment tu vas? Appelle-moi. Où suis-je? Je suis désolé. Je suis là. Guide-moi jusqu'à toi. C'est froid. Merde. Spectre. Ici. Antea, tu es là? Et là, derrière cette cascade? Vous avez vu ça un peu? De loin, on reconnaissait une silhouette. C'est froid. Mon amour, c'est froid. Il y a quelque chose en face, là. Regardez, il a la main vers l'avant. T'as vu quoi? Moi je ne vois rien. Pourquoi je peux pas avancer? Ah, ici! J'arrive, mon amour. J'arrive! Te voilà. Je te tiens. Tu me tiens. Viens. Non, n'y va pas. Je suis là. Suis-moi. Où vas-tu? Par là-bas. Je suis avec toi. Je suis ici. Où es-tu? Je sais pas ce que c'est, ces machins-là. On dirait des espèces de lanternes de sorcières. Ou peut-être que c'est... Je sais pas, c'est pour les esprits, pour les... Pour les âmes qui errent dans la pampa, j'en sais rien. Si quelqu'un a une idée.
Donc où est là Val et Stéphane, vous aviez raison. Tu as l'air faible. Tu as besoin de... de repos. Je me sens vide. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter ? T'avoir perdu et te retrouver ainsi. Tu es affamé. On peut dire ça. Oui. Que puis-je faire ? La Bible de Charles. Le lien qui retenait son fantôme. Il y a encore des résidus d'essence dessus. Pour l'instant, ça suffira. J'en avais besoin. Je me sens mieux. Regarde-toi. Regarde-nous. Je sais. Ne t'y trompe pas. Je suis content de te voir. Que tu sois revenu. Vraiment. Les vivants ne devraient pas se mêler aux morts. Je le sais depuis l'enfance. Je l'ai appris à la dure. Tu ne me l'avais jamais dit. C'était il y a une éternité. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Comment tu te sens ? Mal. Tu pourrais développer ? En colère, frustré, inutile. On devrait parler de ce qui s'est passé. Après l'église, je veux dire. Quoi tu te souviens, après ta mort ? Je me souviens de la soudaineté de ma mort. Je me souviens que de ça. Après ça, le vide, l'intemporalité, l'égarement. Et là, je t'ai entendu. Tu as prononcé mon nom. J'ai cherché à revenir. Je me suis réveillé dans une grotte. Une jeune femme du nom de Chercheuse m'avait secouru. Elle se vantait d'être l'apprentie d'une sorcière. Sa maîtresse l'avait envoyée prendre soin de moi. Les sorcières se montrent rarement. C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide. Je crois qu'on devrait retourner à New Eden. Je suis d'accord. Pour me délivrer, je crois qu'on doit récupérer mon corps. Je refuse d'être ainsi. Je ne supporterai pas. Je suis désolé, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Je suis un fantôme. Tu es un bannisseur. Je ne te bannirai pas. C'est impossible. Antea, je t'ai vu mourir. Ne me demande pas ça. Si c'est ce que je voulais, tu n'aurais pas le choix. Mais c'est pas ce que tu veux, c'est ça ? Pas avant d'avoir eu ma revanche. Pas avant de voir le cauchemar vaincu. Par toi et moi, ensemble. Dans l'école, tu as parlé de résurrection, en plaisantant. C'est possible ? Oui.
Le rituel de palingénésie mineure, il est extrêmement complexe et extrêmement dangereux. Je pourrais essayer, pas vrai? Si tu me l'enseignes, je peux te faire revenir. Red, c'est un ancien rituel. Il exige du pouvoir. Il consomme de l'essence, beaucoup d'essence. On parle de sacrifice humain, de meurtre. Peut-être, oui, mais... on pourrait pas l'envisager, au moins. Je veux dire, si elle a la moindre chance de te ramener, je la saisis. C'est un rituel obscur, Red. C'est tentant, et c'est dangereux. Imaginez à nouveau dans tes bras. Ça me tente aussi. Je pourrais te donner ton ascension. Ce serait la solution la plus simple, mais pas la plus facile. Pourquoi ? Mon corps est mon lien, et le cauchemar le possède toujours. Dans l'église, avant qu'elle me lâche, j'aurais juré qu'elle me défiait de revenir. Elle est aussi sournoise que puissante. Elle ne cédera pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit retourner à New Eden, on doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi. Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable. Oui. On a un mystère à résoudre. Des sorcières à rencontrer. Des personnes à trouver et des questions à poser. Et après, tu m'aideras à partir. D'une façon ou d'une autre. Oui. Je te le promets, mon amour. Repose-toi. Tu en as besoin. Je vais rester là. Ok. Donc là, on a... compétences dévoilées. Ici, on a quoi? On a relais. D'accord. Donc là, relais, activer un point. J'ai combien de points? J'en ai deux, d'accord. Poche de stockage, augmente de 1 le nombre maximal de charges de décoction. Ouais. Ici, on a quoi? Enchaînement implacable. Et ici, tonus. D'accord. Donc déjà, je vais faire relais. Ah! Attends, bouge pas. Augmente de 20% le gain de points de bannissement, mais réduit de 20. Ok, d'accord. Les attaques lourdes chargées déclenchent une zone d'effet infligeant des dégâts physiques. Tiens, mais je vais prendre ça. Voilà. La prochaine fois qu'on gagnera des points, on ira plutôt vers la droite. Salut à toi, Angélique. Améliorer votre équipement. Les abris vous permettent d'améliorer votre équipement via le menu inventaire. Donc là, on a inventaire. Amélioration. Donc là, on a décoction. L'amélioration de votre équipement renforce leur bonus, mais nécessite des ressources. Ok. Donc là, on a ça. Augmente de 50%. Je vais dire ok. Donc comment je fais là? Ressources insuffisantes, ressources insuffisantes. Mais en vrai, je ne peux rien faire. C'est cool. D'accord. Donc là, si je vais dans tenue. Ah, là, je peux. Ok. Donc là, on a quoi? Résistance physique de 14 à 17, force de 5 à 8, dextérité de 2 à 5 et vitalité de 4 à 10. Ah ouais! Boum! Là, je ne peux pas parce qu'il me manque de l'accrétion de fléau. Et la décoction. Amélioration. Est-ce que je peux? Tout à fait. Récupération de vie de 65 à 90, récupération d'esprit de 30 à 45, force 2 à 5, 1, d'accord, ok. Voilà.
Là, je ne peux pas. Et l'anneau de ban, est-ce que je peux l'améliorer? Si je fais ça. Et oui, je peux. Mais vas-y. Là, on a vraiment fait tout ce qui était possible de faire. Consultez et modifiez vos talents et présence. Donc ça, non, on n'y touche pas. Là, on a le repos et voyage rapide. Ou sinon, on peut faire quitter. Ouais, je sais bien, Angélique, mais... Je ne prononce que le pseudo du compte. Hein. Si je dois me rappeler de chaque prénom, de vrai prénom des gens qui sont derrière les comptes, je suis mal barré. En route pour New Eden, quel que soit le chemin, il va nous falloir des provisions et de l'argent. On s'en sortira. Ensemble. Poupi, poupapa. Qu'est-ce qui a bien pu arriver ici? À mon avis, il y a eu un rituel. Quand on joue avec des cercles de sel, il vaut mieux être sûr de soi. Oh là là, il y a trop de trucs à lire. 14 septembre. Un jour, alors que nous explorions ces terres sur lesquelles nous sommes arrivés il y a de nombreuses années, Angarad et moi avons trouvé un nouvel endroit. Un endroit spécial. Une grotte cachée derrière une cascade. Impossible à trouver. Nous étions attirés par une étrange sensation de légèreté. Comme si le voile entre l'incarné et l'invisible était aussi fin que de la soie. De cet endroit émanait la puissance de l'autre monde. Nous avons pensé que c'était l'endroit idéal pour expérimenter des rituels. La grotte était plus grande que prévu et présentait de nombreuses galeries. Angarad et moi avons décidé de prendre le jeune Shelley avec nous pour continuer notre exploration. Il a fait le don. Non, il n'a pas le don, mais il est sympathique. Et son père voulait qu'il se forme aux côtés d'occultistes expérimentés. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que les champignons dont on a besoin pour nos rituels poussaient sur les murs. Ils en ont cueilli pendant que je dessinais les symboles et les préparais les rituels. Nous avons senti nos pouvoirs devenir beaucoup plus puissants. Ah, mais que s'est-il passé? 18 septembre. La grotte est grande et dangereuse, j'ai entendu des murmures dans la pénombre. Quelque chose nous surveille. Beldon et Shelley prétendent ne pas entendre. Mais quelque chose rôde, j'en suis certain. J'ai peut-être tort. C'est peut-être dû à la fièvre que j'ai eue il y a quelques semaines. La nuit dernière, j'ai surpris Shelley qui nous regardait dormir. Il parlait tout seul. C'était troublant. Je ne vois pas de corps. Peut-être que les loups les ont pris. Tu ne vois pas les symboles sur le mur? Non. Prends ma main. Je veux essayer quelque chose. Ce sont nos anneaux de ban qui font ça. Ils nous aident à communiquer avec l'invisible et l'incarné. C'est comme si je m'appropriais ce que je vois à travers ce lien. Ces toiles sont faites de traces spectrales. Laisse-moi voir. Toile spectrale. Il y a tant de choses qu'on a dû manquer pendant toutes ces années. Les morts se cachent davantage des vivants qu'on ne le pensait. Voilà qui sera bien utile. Il y a quelque chose dans le coin. Mais où exactement? Alors là... Attendez, on va faire demi-tour et je vais voir s'il n'y a pas... Ah, tenez. Heureusement que j'ai fait demi-tour. Hein.
Salut Yves. Poussière spectrale, pièce de 8 x 58. Donc là, à chaque fois qu'on aura un petit indicateur, une petite indication visuelle et sonore de Red, cela voudra nous dire qu'on va devoir passer de lui à Andrea, à Antea plutôt, pour trouver, localiser un truc. T'entends, je comptais les loups que j'avais tués sur le doigt d'une seule. On peut les combattre ensemble. Attends. D'accord. On a réussi. En effet. Merci. Je n'ai pas servi à grand chose. Mais si. Tu quand même. Je t'assure. Et tu iras mieux. Tout t'ira mieux. On est en difficulté normale. Bah, logiquement, tu devrais le savoir, Clément. Tu peux participer aussi? On va récupérer ça et on va regarder ceci. Oh non mais... C'est bon quoi? Ils finissent toujours par fricoter avec la magie noire. Toujours. Le pire, c'est que c'est assez intéressant à lire, hein, mais voilà quoi, je vais pas non plus faire Jean-Michel lecture ou Père Castor tout du long quoi. Surtout que je ne sais pas lire, c'est dommage. Là on a quoi? Allez, un truc de bien. Clé de l'équipement. Oh, collier spirituel. À quoi ça va nous servir? Amélioration. Ah ouais d'accord, ok. Bah je le saurai pour plus tard. J'ai bien fait de passer par là. Poupi poupapa, je me promène dans la grotte. Là que dalle. Allez. Et nous voilà à l'air libre. Heureux. Hop, 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 hop. N'allons pas trop vite. Donc là, il faut aller à gauche. Et je vais donc aller à droite. Parce qu'il y a ceci. Doucement, t'emballe pas trop. Cuir x6. Là non. Ah. Ça, je récupère. Ce spectre se dirige vers le cadavre. Vite, 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 avant qu'il le prenne. Et merde. Fais appel à moi. Retourne en enfer. Mais voilà. C'est magnifique.
Ah, c'est pas encore fini. Mince. Je peux participer aussi? Si tu veux. Allez, c'est au tour de raid. Appelle-moi si tu as besoin. Toute la région grouille de spectres. Pas seulement New Eden. Qu'est-ce qui a pu se passer ici pour que le voile soit si fin? La guerre, l'invasion, ou la colonisation sur des terres vulnérables aux hantises? J'aime bien le lapin, mais ceux-là me font pas saliver. C'est pourquoi les loups ne les ont pas mangés. Du coup, la carte, si je vais ici... Bah en fait, c'est pas monde ouvert, hein. Voilà, on n'est pas sur un énième monde ouvert, comment je pourrais dire, sans âme. On est sur quand même du jeu assez linéaire. Hein. Peut-être que par moment on va avoir des zones assez ouvertes, mais on est plutôt sur de la structure linéaire. Du matériel de chasse. Peut-être que nos trappeurs sont encore dans le coin. Oh, t'as fait vite pour grimper jusqu'ici. Ça ne sera pas facile de s'y habituer, pour toi comme pour moi. Là non. Allez, attends. Si, je peux y aller. Et moi et ma façon de jouer, quoi. À chaque fois, j'avance à 2 à l'heure. On pourrait courir tout du long, mais non. Je marche. Je me promène. Je me balade dans les bois. En mode gros touriste. Mais en fait, j'ai du mal à partir sur l'idée que je vais faire le jeu comme ça tout le temps. Je sais pas, j'ai du mal, moi. Moi, je préfère avancer comme ça, quoi. Comme ça, on a largement le temps de regarder le décor. Moi, ça me ferait bizarre de voir un mec, un let's play où le mec il fait que ça. Est-ce que les gens sont... Genre, il a pas le temps. Je suis hanté. Peut-être. Pour peu qu'ils aient du talent ou de l'entraînement. Et si quelqu'un te voit? C'est peu probable. S'ils avaient du talent ou de l'entraînement, ils ne feraient pas appel à des bannisseurs comme nous. Normal, tu aimes explorer. Ouais, c'est ça, mais après, tu me diras, ça peut être incompatible avec certaines personnes. Je me demande ce qui est arrivé aux trappeurs ici. Ici. Les bois sont envahis de spectres. Espérons qu'ils soient partis. Champi. Et là. Encore champi. Non, du cuir. Blâmer les vivants. Ne faites jamais confiance à un bannisseur, car même leur nom est un mensonge. Les bannisseurs ne sont pas des alliés, cherchant à protéger les justes contre le diable. Ils ne renvoient pas les esprits maléfiques en enfer, non. Ils se servent de la plus insidieuse et néfaste des magies. Avez-vous déjà regardé leurs mains et leurs bras, putréfiés par la corruption de leur art maléfique? Avez-vous déjà lu les symboles abjects qu'ils sculptent dans les anneaux qu'ils portent? Les bannisseurs ne sont pas différents des magiciens, sorcières ou adorateurs du démon. Et ils mentent face à la... Et ils mentent à la face des justes. Ils ne bannissent pas le mal. Ils soumettent et apprivoisent l'âme immortelle, souillée ou pure, morte ou vivante. Avec leurs mots savants, ils travestissent la vérité du Seigneur. Ils parlent d'essence, de reste, de traces spectrales, de libération et de résolution. Mensonge, mensonge, mensonge. Savez-vous ce qu'ils appellent un blâme? C'est ce que c'est lorsqu'ils volent l'âme du juste avant de l'asservir pour l'une de leurs activités immorales. Alors ne faites jamais confiance à un bannisseur, car à chaque fois que vous passez un marché avec l'un d'eux, vous serez peut-être le prochain qu'ils priveront de son âme éternelle s'ils décidaient d'utiliser leur blâme sur vous pour quelque raison que ce soit. Tiré de nommer l'ennemi par Fear God Waterbury. D'accord. Bah ok. On continue. On continue.
Non. Allez, mon petit Red. Bagarre ? Moi, je dis bagarre. Bagarre ? Ces sorcières dont tu as parlé doivent savoir bagarre. Quelque chose à propos du cauchemar. Ouais, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Les sorcières ne s'impliquent auprès des gens que si elles y sont obligées. Les tiennes doivent avoir une bonne raison. Pour l'instant, il est très feel-good. Hein. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les décors, j'aime beaucoup ce qui se dit. Et de ce qu'on m'a dit... Je crois que j'aperçois un passage, là-bas. Les environnements seront très variés. Quelle chance. Ah merde! Je voulais voir ce qui allait se passer si j'allais comme ça, tout droit. En mode gros suicide, mais non, on peut pas. Il y a un mur invisible. C'est un peu dommage. Ouais, t'as le monde... Ouais, t'as le monde physique et le monde ésotérique. Ben non, bon. Immatériel. Si on oublie les loups et les spectres. Il n'y a ni loups ni spectres dans les Highlands? Si, mais ils ont la politesse de me laisser reprendre mon souffle entre les combats. Tiens, chemin bloqué. Vous n'avez pas encore la manifestation requise pour débloquer l'accès à ce chemin. Ah, d'accord. Ah, on va devoir revenir dans le secteur pour pouvoir débloquer ce chemin lorsqu'on aura la capacité. Il y a un petit côté Metroidvania. Genre, là, il y aura tout un tas de choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'on n'a pas encore les capacités. Mais lorsqu'on les aura, on pourra rebrousser chemin, revenir dans ce secteur... Et faire ce qu'il y a à faire. Mauvaise nouvelle. Le pont est cassé. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin pour New Eden. Étrange. Je vois des traces, mais elles ne sont pas comme d'habitude. Elles suivent la même structure. Tu ne vois pas. Elles m'appellent. Alors là... J'aille par là, du coup je vais aller par ici. J'ai les chevilles solides, mais à cette hauteur, ça va pas le faire. Non mais si on prend Antea. J'ai les chevilles solides, non. Mais à cette hauteur, ça va pas le faire. Et ça continue. Ces traces. Je pourrais les atteindre si j'étais plus forte. J'ai du mal à garder les idées claires. La faim me tiraille de nouveau et elle ne fait qu'empirer. Déjà ? Bon, alors on va te trouver de quoi te nourrir. C'est quoi ça ? On dirait des méchants dans Silent Hill. Des gens qui connaissent Silent Hill, notamment le film. C'est pas que, ouvre hein. Les cieux. Ah ouais, mais j'ai vu. Est-ce qu'on en a oublié? Pas bouger. Faut que je m'occupe de lui là. Voilà. À aujourd'hui. Super. Qu'est-ce que c'est, chasseur affamé? Et quand on dit chasseur affamé, c'est... Ouais, affamé pour elle, en fait, il lui faut de l'énergie spectrale, on va dire ça comme ça. Alors que pour elle, lui,
Bah, affamé, peut-être qu'il a faim, quoi. Tiens, devant, là, encore un... Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Une personne corrompue. Ah, merde. On va aller lui dire bonjour. Attention. Ben, te revoilà. Oh, pardon. Je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Vous avez faim, l'ami ? Le potage n'est pas bien épais, mais il y en a assez pour deux. C'est très gentil de proposer. Mais ça ira, merci. Voilà bien longtemps que je n'avais croisé personne. Vous venez du camp ? Vous êtes chasseur ? En quelque sorte. Red MacRace. Je suis bannisseur. Comme dans les histoires ? Jacob Lind. Je suis trappeur. C'est un vrai travail. Pourquoi choisir cet endroit ? Vous n'aviez pas d'abri plus sûr ? La forêt est sûre pour ceux qui la connaissent. On y chasse. Et quand on a des peaux et de la viande, on va les vendre à New Eden. Mais le gibier se fait rare. On n'a rien à vendre. Alors on attend. Quand même les loups meurent de faim, on sait que l'hiver va être rude. Depuis combien de temps vous êtes seul ici ? J'en sais rien. J'ai perdu le fil. Et je ne suis pas seul. Dieu est avec moi dans les Saintes Écritures. Vous voulez que je vous lise un passage ? Une autre fois, peut-être. Vous êtes épuisé. Pas étonnant quand on voit à quel point la forêt est corrompue. Vous arrivez à dormir ? Je n'aime pas dormir. Je vois des choses. Des yeux luisants entre les feuilles. Ça veut dire quoi, corrompu ? Marqué par des fantômes. Hanté. Parlez-moi de vos cauchemars. Mon cauchemar, c'est toujours le même, toujours. Pour Ben aussi. Vous pouvez m'en dire plus ? Non. Non. C'est un cauchemar. Rien de plus. Qui est Ben ? Un autre trappeur ? Oui, c'est le meilleur des trappeurs. Il m'a tout appris. Il est sorti, mais il va revenir. Où est-il parti ? Le pont est cassé. Pour sûr, il est complètement cassé. On ne passe plus. Il y a des horreurs dans les ténèbres. Des horreurs qui flairent la chair. Le gibier se fait rare. Et Ben est parti. Il finira bien par en trouver, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre ? C'est ce qui vous retient ici ? Ça. Et le brouillard. Impossible de chasser quand on ne voit rien. Ben tire mieux que moi. Il connaît aussi mieux la forêt que moi. Je le ralentirai. Je le ralentirai. Où avez-vous rencontré Ben ? On s'est trouvés. Deux âmes sœurs, comme il disait. Il était bon envers moi. Trop bon. Pourquoi ? Il est important pour vous. Oui. Et c'est réciproque. Il perd son sang-froid. Ou un fantôme le lui a pris. Reposez-vous, Jacob. Vous en avez besoin. Si vous voyez Ben, dites-lui que je pense à lui. C'est un grand type,
Même allongé, vous ne pourrez pas le manquer. Pauvre garçon. Il est complètement enveloppé de traces spectrales. Et donc... Alors, attendez. Attendez, parce que là, il va se passer un truc. Vous avez trouvé un premier cas de hantise et devez enquêter sur le fantôme qui hante Jacob Lind. Utilisez le raccourci de la notification et ouvrez votre menu des retours à... D'accord, ok. Donc là, je fais un petit portrait. Jacob, le jeune trappeur au regard hagard, semble épuisé. Perdu dans la forêt, affamé et assailli par les cauchemars, il semble être devenu fou de solitude. Ouais, on sait pas en fait combien de temps ça fait qu'il est comme ça. Bible de Jacob, Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. 2. Attends, est-ce que je peux descendre comme ça? Non, je peux descendre que comme ça. Attends. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Excusez-moi, je digère. Ils sont livrés entre vos mains. 3. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. 4. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. 5. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Votre viande est en train de tourner, l'ami. La nourriture est rare, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Il n'est pas difficile, sa viande grouille d'asticots. Bah comme ça, il mange deux choses en même temps, hein. La viande plus les asticots. Hein. Vous dormez ici, Jacob ? Et pareil, ben il y a des asticots. Ici. Moi, je ne dors pas. Quoi que ce soit qui le hante, ça génère des asticots. Ouais, on ferait bien d'aller voir ce fameux Ben. D'accord. On a bien fait hein, de refuser ce qu'il y avait dans sa tambouille. Ah tiens là. Ce sont les affaires de Ben. Pour la plupart. Sauf la corde. Vous pouvez la prendre si vous voulez. C'est bien aimable. Merci. Bon bah sur ce... À tout à l'heure. Ben est parti sans arme. Nous sommes des trappeurs, pas des chasseurs. On avait une arme pour nous protéger, mais elle a pris l'eau. C'est con. Ça se trouve, hein, Ben est mort. Hein. Il est tellement en train de perdu quelque part. Qu'il ne doit même pas savoir en quelle année on est. Que lui est-il arrivé? Il a peut-être toujours été seul. Peut-être que Ben est dans sa tête. Il y a quelque chose par là. Et on peut descendre par ici. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Les loups... Des brouillards mouvants. Produits... Attends. Si j'aurais la carte... Par un fantôme après une mort brutale. Règle numéro 8 des bannisseurs. Gare au brouillard mouvant où t'auras affaire aux revenants. C'est juste. Mais on n'a pas tellement le choix. Soit Ben s'est perdu dans le brouillard, soit il en est à l'origine. Poussière spectrale. Hop, 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 hop. Chut.
prête quand tu veux. Super. Tiens, là, on voit des pièges. Encore un loup mort. Par là, c'est pas la peine. Oh, le monde spectral est fait de orange et de bleu vert. C'est assez particulier. Tu devrais pouvoir descendre par là. Rien de plus exaltant qu'une plongée dans l'inconnu. C'est à peine si je vois mes mains ici. Ne t'inquiète pas, tes autres sens aussi vont être affectés. Ces brouillards mouvants sont plus épais qu'un porridge écossais. Ils sentent presque aussi mauvais. Oh, attends! Hein? C'est mieux. Et un peu terrifiant. C'est beaucoup mieux. Y'a pas photo. Je sens quelque chose de spectre. Je peux te montrer la voie. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je peux passer par là, on est d'accord. Et là, tu vois... Ah, ça le fait plus ? Ouais, il y a quelque chose dans le coin, là. Quelque chose, mais quoi ? Là, je peux pas. On va descendre. On va descendre et aller tout droit. Là, sur la gauche. Parce que là, tu vois, c'est un cul-de-sac. C'est même pas la peine d'essayer. Tu as vu ça ? On dirait que le brouillard provient de ces étranges stalactites. Attends, je crois que je sais comment dissiper les brouillards mouvants. Comment ? C'est en partie de ça que je suis faite, alors. Ben voilà, c'est super! Je suis là, tu sais. Ah, je vois que t'aimes bien taper les spectres, ma petite hantée, hein. Que le diable t'emporte! Je suis toujours là! Désolé. Je ne pensais pas que ça aurait cet effet. On s'en est bien sorti. Bah ouais. Essayons de voir d'où ça venait. De voir qui est mort, tu veux dire. Ah, Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repousser chemin et voir ce qu'il y avait au niveau de la cascade. Mais ici, il y avait quelque chose. Ah, peut-être là. Bingo. Alors, attends. Ouais, ici, c'est bizarre. Ça me dit qu'il y a un truc, mais je vois rien. Ou alors, c'est vraiment par là. Peut-être que c'est derrière la cascade. Manu Guillaume. Et à la prochaine, mec. Ah bah tiens. Qu'est-ce que nous avons dans ce coffre ? Verdict, poussière spectrale et encore des pièces. Bah c'est super. Demi-tour. Et allons voir ce fameux Ben. Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il y a vraiment un Ben ?
Est-ce que Ben existe dans la vraie vie véritable ou est-ce que ce n'est que la création de l'esprit malade du jeune homme ? Mystère. Salut Ondine ! Là, je peux monter ? Pipa-ri-papou, je monte plutôt vite. J'allais dire tranquillement, mais non. Qu'est-ce que nous avons là-haut? Du cuir. Du cuir, du cuir, du cuir. Et là, en face, il y a quelque chose. Alors, à mon avis, il me manque une arme ou il me manque une capacité qui me permettrait de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que ça fait déjà deux fois qu'on voit ce truc-là et je ne peux rien faire. Et ça me saoule. Ça me saoule parce qu'en fait, c'est remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Ok, je comprends le concept de roguelike, hein, mais de roguelite. D'avoir des compétences hein, qui se ramènent au fur et à mesure. Et dans ce cas-là, après, tu peux faire de plus en plus de choses. Mais quand même, pourquoi je peux pas passer là? C'est par là? Ah oui, merde! Des traces de lutte. Il y a un écho qui traîne ici. Effectuer un rituel, manifestation forcée, invocation, chant d'écoute. J'entrevois désormais le passé. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Debout, Lind. On n'abandonne pas. Non, j'en ai assez. On ne peut pas remonter ni descendre. Ça fait des jours qu'on ne mange plus que des bouts de chaussures bouillies. Ah. J'en ai marre. On n'abandonne pas. Allez. Laisse-moi tranquille. Bordel, j'en ai marre de te porter un bout de bras. Qu'est-ce que tu fais? Ne me frappe pas. Je te hais. Je te hais! Non! Ah oui, d'accord, ok. Ben est mort dans la chute. Et son fantôme plein d'asticots est de retour pour hanter l'ami qui l'a poussé. Je crois que Jacob mentait pour couvrir son meurtre. Ce ne serait pas le premier. Il faut qu'on trouve le corps. En espérant que les loups ne soient pas arrivés avant. Ok. Donc là maintenant, il faut localiser le corps. Le corps, il est tombé... Logiquement, il est tombé par là. Hein. Ou alors, il n'est pas mort sur le coup, puis... Il a rampé et s'est déplacé quelque part. Tiens, là. C'est lui ou pas? Je dirais pas. Bingo. Oh, non, tu... Merde. Bon sang. Il s'est fait déchiqueter. Non. Il a été découpé avec un couteau. Pour sa viande. Ah putain, toujours Jacob. Pas de lien. Dans le taudis de Jacob, peut-être. Jacob s'est fait bouffer par son pote. Jacob? Non. Manger de la viande. C'est Jacob, Jacob qui fait la viande. Mangeait Ben. Ouais, c'est ça. Pauvres enfants, affamés et désespérés.
Il faut parfois être prêt à tout pour survivre. Ouais, tu vois, il a poussé son ami dans le vide par colère. Et lorsqu'il a vraiment eu faim, lorsque vraiment il n'avait plus le choix, il est passé au cannibalisme. Il a bouffé son pote. Donc tout à l'heure, si on avait accepté sa proposition, on aurait bouffé de l'être humain. Donc là, on va le confronter, on va lui dire... Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Mais je serais tenté de te dire que peut-être qu'ils vont le confronter en lui disant « on a trouvé Ben. On a vu que tu le mangeais, morceau par morceau. Il est temps qu'on s'explique, toi et moi. » Hop, putain. Ah, il est là. Je suis si fatigué. T'inquiète pas, Red. On ira se reposer après, mec. Ouais, ouais, la bande son est très sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Notamment le thème principal, là. Le petit morceau de musique là qui passe dans le menu principal, il est vraiment très chouette. J'attends ton signal. Il a pas voulu. Il était en train de gogoliser, quoi. Je suis désolé. Ah, on reprend là? Ah non, ça va. Il y a eu du bol. Je voulais le bannir. Et je sais pas, le poteau, il voulait pas. Je peux t'aider. J'attends ton signal. C'est bon. Ouais, tu vois, il y avait le corps de ce loup et t'avais un spectre qui était chaud pour le posséder. Mais moi non. Cherchons notre lien tant que Jacob est dehors. Bol et cuillère. Un bol et une cuillère en bois taillés au couteau et utilisés par Jacob. Ce lien est imprégné de l'essence de son fantôme. Lorsqu'une résolution rompra le lien du fantôme avec le monde, cette essence sera automatiquement consommée par Antea pour la rendre plus forte. Je crois que j'ai trouvé le lien. Comment j'ai pu passer à côté? Donc là maintenant on regarde. Il manque quelque chose. Ah mais non! Là, Jacob, là, c'est bon quoi. Jacob a tué et a mangé Bénédicte Stougon. Pourquoi Ben? Son compagnon. Et là, t'es Bénédicte. Oui, il manque des trucs. Mais on verra ça par la suite.
Avec toutes les traces spectrales, c'est un miracle qu'on l'ait trouvé. Viens, allons voir Ben. Mais, puis le coffre... Ah bah tiens, regarde. Effectuer le rituel. Ouais, c'est bien ça. Chant d'écoute, manifestation forcée, invocation... Je pense qu'on va faire manifestation forcée. Est-ce que j'ai vu juste ? Le moment est venu de forcer le fantôme à se manifester. Vous n'êtes pas Jacob. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Red MacRice. Un Écossais. Et vous ? Antea Duarte. Nous sommes bannisseurs. Nous pouvons vous aider. Personne ne peut m'aider. Où est Jacob ? Vous avez souvent essayé de quitter cet endroit. Oui. On a essayé. Mais sans succès. Des semaines et des semaines, ou plutôt des mois et des mois, on tournait en rond. La forêt est diabolique, sournoise, pernicieuse. On a tourné encore et encore, jusqu'à finalement revenir sur nos pas. Jacob nous a dit que vous faisiez tous les deux des cauchemars. Le même cauchemar. Oui, sans jamais nous reposer. Incapable de distinguer la réalité du rêve. Du coin de l'œil, on pouvait voir les ombres danser. Depuis combien de temps Jacob et vous viviez ensemble dans la forêt ? Plusieurs hivers maintenant. Mais celui-ci, il est interminable. Impossible d'y échapper. On était livrés à nous-mêmes. Pas un seul animal à chasser. Je ne sais pas quand tout a basculé. On s'est retrouvés piégés. Cette putain de forêt. Nous savons ce qui vous est arrivé, Bénédicte. Qu'est-ce qui vous retient ici ? Lui, il m'attend. Il passe son temps à m'attendre. Il refuse de se confronter à ce qu'il a fait, et je ne peux pas partir. Je suis coincé. Mais je ne lui en veux pas. Comment le pourrais-je ? Nous pensions qu'il avait agi de son plein gré. À vrai dire, nous pensions qu'il mentait. Non. Jacob est un homme bon et pieux. Toujours pur et sincère. C'est le meilleur d'entre nous. Et pourtant, je refusais de le voir. Mais c'était évident. J'étais devenu... méfiant. Au fond de moi, je savais ce qu'il pensait. Parce que j'y pensais moi aussi. Que voulez-vous à Jacob ? Vous voulez vous venger ? Je n'ai aucun désir de vengeance. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. Pourquoi ne pas l'avoir confronté ? Pourquoi ne pas vous montrer ? J'ai essayé. Il a cru que j'étais vivant. Et m'a montré de la viande qu'il avait récupérée. Il était si fier de lui. Il m'en a même offert un peu. Il doit affronter la vérité. Accepter ce qu'il nous a fait, à tous les deux. La nuit, il lisait les Saintes Écritures. C'est lui qui m'a appris que Dieu s'occuperait de nous, si on était bon et honnête. Et on l'était. Bon et honnête. On faisait pas de vagues. On s'occupait de nos affaires, on n'embêtait personne. Alors dites-moi, bannisseur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Ce n'était pas l'œuvre de Dieu, mais celle d'une autre entité, très puissante. New Eden est maudit. Alors, Dieu nous a abandonnés. Et nous sommes condamnés.
Merci, Bénédicte. On se reverra peut-être. C'est possible, bannisseur. C'est possible. Ok. Donc là, logiquement, voilà, on a tout. Le fantôme de Bénédicte veut que Jacob Lind dise la vérité et admette être cannibale. Ouais. Bah allez, sortons. Jacob doit avouer. Il est bloqué dans le déni. Il devait vraiment beaucoup aimer Ben. Bonjour à vous, Jacob. Monsieur McRae. La vie n'était pas facile pour vous et Ben. Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Parti ? Non, on ne peut pas. C'est chez nous, ici. On pose nos pièges, on mange, on tanne la peau en cuir. Toute notre vie est ici. Non, on ne peut pas. Et par la rivière ? Le brouillard a bien dû se dissiper parfois. Et ici, vous mourrez de faim. On a assez à manger. Grâce à Ben. Ben voulait partir. Vous vous êtes disputé. Ça vous revient ? Ben est dehors, là. On ne se dispute jamais, vous savez. Une fois, on s'est endormi et on s'est retrouvé pris dans une tempête. Avec de la grêle et tout. On était perdus, mais on s'en est sortis. Et même là, alors que je le ralentissais, Ben n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il a perdu la tête ou il se paye la nôtre ? Difficile à dire. Désolé, Jacob, il faut qu'on parle. Il est arrivé quelque chose à Bénédicte. Quoi ? Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, allons, Jacob. S'il est arrivé malheur à Ben, dites-le-moi. Où est-il ? Bénédicte souffre. Pour son bien, vous devez vous rappeler ce qui est arrivé. Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Mais je... Non ! Jamais je... Je ne pourrais pas lui faire de mal. Je l'aime. Jacob, regardez-moi. N'ayez pas peur de vous souvenir. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé en haut de la falaise. J'étais fatigué. Épuisé. J'étais tiraillé par la faim. Elle me brûlait la gorge. Je pouvais plus penser à autre chose. On n'abandonne jamais. On laisse pas tomber. Oh, pourtant, je le voulais. Je voulais que tout s'arrête. Et vous avez mis fin à tout ça. Ça vous revient maintenant ? Je l'ai trahi. J'ai abandonné Bénédicte. J'en avais tellement marre. Il n'arrêtait pas de me pousser à bout. Oh. On se disputait, j'étais perdu. Quand je l'ai vu, par terre, sans vie, j'ai entendu des murmures. C'était lui ou moi. Lui ou moi. J'aurais pu mourir. J'aurais dû mourir. Je ne mérite que ça pour mes péchés. J'ai trahi Dieu. Et j'ai trahi mon ami. Je suis un monstre. Je ne mérite aucune pitié. Non. Tu n'es qu'un pécheur qui demande désespérément de l'aide. Nous avons tous les deux dû faire un choix. Simple et terrible. Tuer. Ou mourir. Tu as simplement frappé le premier, et nous en sommes là maintenant.
Me pardonneras-tu ? Notre destin n'est plus entre nos mains désormais. Tu as raison. Bannisseur, faites votre travail. Si on veut que tu reviennes, si on effectue le rituel dont on a parlé, ça commence maintenant. Red, si on commence à s'engager sur cette voie... Jacob est prêt à mourir. Les autres ne le seront pas. Nous mentirons. Nous recueillerons l'essence des vivants. J'en serai le seul responsable. Comme il l'a dit, nous devons faire un choix. Simple et terrible. Est-ce qu'on tue pour être de nouveau réunis ? Ou est-ce qu'on se quitte à tout jamais ? C'est maintenant qu'on le décide. Ah putain ! Donc là, on a deux choix. Soit on tue et on fait en sorte qu'à terme, Antea revienne dans le monde vivant. Soit on le libère et on condamne Antea à ne plus jamais revenir dans le vrai monde et à plutôt aller au paradis, entre guillemets. Vous avez atteint la résolution d'un cas de hantise. En tant que bannisseur, vous devez prendre une décision. Blâmer la personne hantée, accorder l'ascension au fantôme ou bannir le fantôme. Donc là, suivant. Chaque décision aura des conséquences, notamment sur la façon dont Red et Antea évoluent en tant que couple. Rappel, si Red veut ramener Antea en vie, il doit blâmer le maximum de personnes vivantes. Donc là, bah vous pouvez le voir, on peut blâmer Jacob, élever Bénédicte ou bannir Bénédicte. La question est, encore une fois, est-ce qu'on a envie qu'Antea revienne, redevienne vivante, ou est-ce qu'on va faire comme ce qui s'est passé pour... Merde, comment il s'appelait leur poteau quand on est arrivé? J'ai déjà oublié son prénom là, merde. Comment il s'appelait le gars là à la fin qu'on a libéré, qu'on a élevé? Parce qu'en fait, Antea à la base elle était partie pour bannir son ami. Et finalement, sous l'impulsion de Red et de Esther, elle l'a élevé. Mais moi je serais du... Moi, je serais du genre à blâmer. Hein. Moi, Après, est-ce que Antea acceptera le fait qu'on tue des innocents afin de revenir à la vie ? Antea est déjà morte. Ouais, c'est Charlie, ouais, tout à fait. C'était Charlie qu'on avait élevé à la fin de l'épisode 1. Mais Antea est déjà morte en quelque sorte. Et Jacob, ben, ce sera un mortre. Mais oui, mais en fait, c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'ils seront... comment dire ça, Red est prêt à tuer des gens pour que son amour revienne à la vie. Et c'est ça, en fait, la question. Est-ce que si vous aviez la possibilité de ramener votre amour... à la vie, est-ce que vous le feriez? Et peu importe les conséquences, peu importe ce qu'il faut faire. C'est ça le truc. C'est est-ce que tu serais prêt à tout pour faire venir à, pour que ton l'amour de ta vie revienne dans le vrai monde? Et là, ça dépendra des gens. Ça dépendra des gens. T'en as qui diront non, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas me regarder, ou enfin voilà. Et t'en as qui pourront.
Là, franchement, je suis partagé. Et dites-vous qu'à chaque fois, il y aura des choix de ce type-là à faire. Tout dépendra du contexte, mais il y aura toujours des choix à faire. Il y aura toujours trois choix, blâmer, élever ou bannir. Et en fonction de ces choix, la fin diffère. Écoutez, je vais jouer comme si je jouais de mon côté. Et donc, mon choix est fait. Jacob Lind, vous pensez ne mériter aucune pitié. Mais vos souffrances doivent prendre fin. Vous avez assassiné votre ami, l'homme que vous appeliez frère. Vous vous êtes nourri de sa chair. Puis vous avez nié être coupable de sa mort et enchaîné son esprit à ce royaume. Ce qui est fait, est fait. Mais la vérité et votre mort serviront à apaiser sa souffrance. Il ne peut y avoir de demi-mesure. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Bénédicte, mon ami, pardonne-moi. J'ai pris la vie d'un homme que j'aimais et j'ai mangé sa chair. Je n'ai que ce que je mérite. C'est fait. Tu peux te nourrir de son essence. Je crois que je vais avoir besoin de me reposer. Tu peux aller à l'intérieur. Ouais, tout à fait, Molotov, il y a plusieurs fins. Donc voilà, c'est mon choix et je l'accepte. Après, il y a, enfin, pour moi, le choix était assez facile entre guillemets. Après tout ce qui avait été commis, il y aura peut-être des choix qui seront beaucoup plus compliqués, va savoir. Mais là, vous avez vu, on a banni Jacob et Ben, libéré de cette emprise, s'est élevé vers le ciel. RIP mon petit Jacob. Fini les asticots. Ben a disparu pour de bon. Tu veux que je me repousse comment? Ah oui, d'accord, ok. Donc là, on a quoi? Esprit implacable. Chaque attaque au point augmente de 7% les dégâts. Ok. Bon bannissant. Je vais prendre plutôt ça. Ah, je peux pas? D'accord. Les parades restaurent 15 points d'esprit. Augmente de 20% les dégâts des attaques lourdes chargées. Nous, on a dit qu'on partait par là. Oh.
Ok. Salut Younes. Donc là j'ai un autre point. Donc là tu vois je peux pas. Ah si. D'accord. Les parades, je prends ça. Ah oui d'accord ok. Ah oui là j'étais parti dans bon. Et là on avait dans dévoilé. Bon c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. J'avais pas capté. Tac. Donc là on va aller dans inventaire. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là ici amulette. Amélioration. Hop. Ici je peux améliorer. Comme ça on passe niveau 2. Ensuite, tenue. Non, je peux pas. Sabre. Ah, je peux. Ok. Là. Non, je peux pas. Et anneau. Non plus. Je vais faire ça. Oui. Là, consulter, modifier, c'est ceci, mais on va pas y toucher. L'inventaire, c'est pas la peine. On a récupéré toutes les charges de décoction. On était à 2 sur 3, donc finalement, il n'en reste, enfin, il n'en manquait qu'une. Là, je pense qu'on va pouvoir y aller. Cet homme a tué et mangé son ami. Quand j'étais soldat, j'ai entendu des histoires sur des assiégés qui s'entre-dévoraient. Certaines étaient vraies. La famine est un maître féroce. Jacob était affamé. Hein, comme toi. Comme moi. Jamais je n'aurais imaginé châtier qui que ce soit. Je n'ai pas tué depuis que j'ai quitté l'armée. J'avais juré de ne plus tuer. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Ah, et donc là, en fait, le jeu nous dit qu'on peut peut-être revenir sur notre décision. Moi, je vais faire non, on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Et on l'a fait ensemble. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, pour que je puisse ressusciter, on va voler de l'essence humaine. On va tuer des gens pour nos propres fins. Des êtres bien vivants. On ne sera plus bannisseur. Red est sur le point de prêter serment à Antea et ensemble, ils choisiront son destin. Les choix que vous faites lors des résolutions des cas de hantise influencent vos chances de respecter votre promesse l'un envers l'autre. N'oubliez pas, quel que soit le serment que vous avez prêté, vous restez libre de faire le choix que vous voulez lors de la résolution d'un cas de hantise. Mais il faudra en assumer toutes les conséquences. Red jure qu'il aidera le fantôme d'Antea à quitter ce monde paisiblement une fois qu'ils auront récupéré son corps dans l'église de New Eden. Red jure qu'il aidera Antea à revenir à la vie une fois qu'ils ont récupéré son corps dans l'église de New Eden. Pour être efficace, le rituel de résurrection nécessitera le sacrifice de nombreux colons à l'aide d'un rituel de blâme. Bien. Alors c'est réglé. Merci. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je récupérerai bientôt ma vie. Nous paierons le prix ultime. On peut appeler ça blâmer, mais au fond de nos cœurs, on saura qu'on prend des vies. Combien ? Je ne sais pas. Peut-être beaucoup trop pour toi.
Je veux qu'on redevienne comme avant, Red. Je veux me venger de ce qui m'a tué. Je veux vivre. Je le veux aussi. Je le veux de tout mon cœur. Aucun prix n'est trop élevé. Je le ferai. Je t'en fais la promesse, mon amour. Tu reviendras d'entre les morts. Ouais, je pense que franchement ça dépendra un petit peu des cas de hantise. Hein. Ça dépendra de ce qu'il y aura en jeu du côté des colons. Est-ce que ce sera des choix faciles? Retournons au pont. Est-ce que ce sera des choix hyper compliqués? Allons voir si j'avais raison à propos de ces traces spectrales. Là, j'ai vraiment envie de te dire que ouais, tout dépendra des cas. Ce sera du cas par cas. Mais c'est vraiment triste quand même ce qui s'est passé entre Ben et Jacob. Parce qu'ils étaient ensemble ici depuis des années. Et ils ont quand même réussi à résister très longtemps. Hein, mais Je devrais pouvoir faire le saut. À ses limites. Tes anneaux de Ben vont nous aider. Peux-tu me trouver l'endroit où les traces s'alignent? Comment ça, les traces s'alignent? Ah, faut peut-être que je descende, non? Ah, voilà. Grâce à la corde, on peut passer par là. Et YOLO! Ok. Bingo. Viens avec moi. Attends, où c'est qu'on va là? Ouais, non mais ça sert à rien. On était déjà venu ici. Ouais, comme tu dis Molotov, hein, ouais. Comme quoi, on est au tout début de l'aventure et déjà t'as Antea qui développe une certaine affinité avec... avec le monde occulte, enfin avec le monde occulte, avec le monde immatériel, je sais pas comment dire ça. En fait, faut que j'aille tout droit. C'est bizarre, ça me dit qu'il y a quelque chose, ça me saoule. Ou alors c'est derrière moi, non? Ou alors c'est que je peux... Ah ouais, je peux me téléporter de l'autre côté, d'accord, je comprends mieux. Qu'on peut aller tout droit, mais j'ai l'impression qu'il y a un cul-de-sac. Encore une route qui ne mène nulle part. Tu penses qu'on peut sauter? Il n'y a pas de trace spectrale. Je ne peux rien en tirer. Dans ce cas, on va trouver un autre chemin. Quel pays de merde.
Quand on sera revenu à New Eden, tu n'auras qu'à porter plainte. Là, par contre, je peux m'autoriser à courir. Oh, c'était pas un petit saut, ça. Un des avantages d'être un fantôme. Mais je me sens maladroite. Je ne maîtrise pas mes gestes. Tu finiras par y arriver. Tu le fais toujours. Poupi, poupapa. De ce que je vois, on passera pas par ici non plus. Secteur là, c'est good. Est-ce que j'ai raté quelque chose là? J'ai l'impression que non. Alors, tu vois quelque chose d'utile? Bah, à droite devant, il y a du monde, hein. On va devoir se les faire. Hein. Attention, une possession spectrale. Là-bas! Allez, dégage! Activité spectrale. Vous avez trouvé un foyer d'activité spectrale. En tant que bannisseur, il est de votre devoir d'éliminer la menace qu'il représente. Vos points de santé et vos charges de décoction seront pleinement restaurés au début et à la fin de ces affrontements. Éliminer un foyer vous accorde un bonus de puissance permanent. Ah, c'est intéressant. Les spectres se sont rassemblés. Tu ne peux pas les forcer à se manifester? Donc là, invocation du fléau. Non, deux fléaux. Manifestez-vous! Ne me dis pas que tu confonds encore tes champs. Oh merde! Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, manifestation forcée, quel con! Sortez des ténèbres! Génial! C'est pas fini! Reste pas là! Bouge! Ouais, calme-toi un peu! Ils ont amené des amis! Marcin Lecht! Empêche ce spectre d'atteindre le cadavre. Il lâche vraiment rien, hein? Celui-là, il est costaud. Ah oui? Attention, une possession spectrale. Génial, c'est pas fini.
Ron, bordel de merde. Ce spectre cherche un corps. J'attends ton signal. Attention! Débarrasse-toi d'abord de l'autre spectre. Celui-là est protégé. Gentil, toi, mais... Tu perds ton temps sur celui-là. Oh, c'est ça qui a fait, mais... C'est terminé. Je vais récupérer tout ça. Là-bas, je crois qu'il y en a, non? Yes. Lac dalle. Allez, on va passer par ici. Ah, courant d'air. Ça vient de l'invisible. Non, en face. Il y a des traces. Si elles s'alignent, peut-être qu'on pourra sauter. C'est toi qui vois. Je me contente de suivre le mouvement. Non. Derrière, j'ai rien raté. Par contre, pas loin. Ah ouais, là, d'accord, ok. Ah oui! Ici. C'est pas un peu haut? Fais-moi confiance. Attends, il y a peut-être autre chose à faire. Il me faut un meilleur angle. Bon, Théa, on n'est pas aux pièces. Laisse-moi le temps de récupérer ce qu'il y a dans le coin. Bon, là, je suis prêt. C'est bon. Oh, rappelle-moi de fermer les yeux la prochaine fois. Une lettre. Nous sommes en 1695. Ça, c'est à peu près sûr. Suivre les New Smith était une erreur. Après avoir abandonné nos maisons et pataugé dans les bois sombres dans la tempête, notre groupe est arrivé dans un ancien camp de chasseurs. Le pont vers Boston est détruit et on ne peut plus avancer. Notre quête de liberté était vaine. Les souvenirs de notre rendez-vous à New Eden semblaient désormais lointains. On avait des amis et des voisins. De l'école retentissaient des rires. Le pasteur de l'église nous aimait. Quand on a quitté New Eden avec la bande de peau dure... Ah, donc elle a bien quitté New Eden. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure. Le bourg qu'on avait construit n'existait plus. Ça me manque terriblement. Abbess aussi, même si elle le cache. On va y retourner. On va préparer nos affaires et retourner à la maison. Qu'est-ce qui rôde dans les bois? Non. Que ce qui rôde dans les bois aille au diable. Que Dieu soit avec nous. Donc là, pareil, je peux pas. Oh! Par les baloches de Satan!
Tout va bien. Ah, ça irait mieux si j'étais à l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Un piège. Jacob Lind avait parlé d'un camp de chasseurs. Il est peut-être dans le coin. Il y a quelque chose ici. Quelque chose de vivant? Bien de New Eden. Ça fait une sacrée trotte. Et vous êtes qui, au juste? Je m'appelle Red MacRaes. Je travaillais pour les élus de New Eden. Je suis bannisseur. Ouais. Vous êtes pas censé être mort avec l'autre dans l'église. Je suis tombé à l'eau. J'ai été emporté par le courant. Mais j'ai survécu. Enfin, jusqu'à maintenant. Je n'avais encore jamais vu de bannisseur. Je suis un peu déçu. Pourrait-on continuer cette discussion quand j'aurai retrouvé le plancher des vaches? Déconnez pas. Arrêtez de gigoter. J'ai dit, bougez pas. Essayez donc de pas bouger avec une gamine qui vous tire dessus. Si vous n'êtes pas content, bannisseur, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Quoi? Non. Non. Notre camp est au pied de la colline. Je vous attends là-bas. Revenez! Merde! C'est pas toi qui vas m'aider, je me trompe. C'était amusant. Ça fait plaisir de te voir sourire. Attends. Il y a quelque chose par ici. Quelque chose de vivant? Non. Salut Christopher! À nous deux, toi! Lorsque des ennemis bloquent vos attaques, vous pouvez transpercer leur défense. D'accord, ok. Montre-leur pourquoi il faut avoir peur des bannisseurs. C'est bon, calme-toi Red, il est mort. Ah non mais il y en a d'autres en fait. Donne-moi un coup de main. Et ne reviens plus. Salut la mécanerie! Bah ça va, ça se varie un peu au niveau des ennemis. Tout doucement mais sûrement. Oh, apporter la résolution. D'après le brillant Henri Boguet,
Démonologue de son état, les bannisseurs étaient autrefois appelés exileurs. Ils sont probablement les héritiers de la tradition ancestrale des prêtres mendiants de la Grèce antique. Peu importe leur nom, leur objectif principal n'a pas changé. Apporter la résolution, du latin résolutio, action de résoudre, dénouer. C'est la raison pour laquelle ils sont considérés comme bienveillants par la plupart des gens, tout comme les Benendandi, les Benendanti ont été considérés pendant des siècles comme des sorciers utiles et bienveillants en Italie du Nord. Ils voyagent et sont payés pour résoudre un problème entre les vivants et les morts. Ils mettent un terme à chaque cas de hantise en lui apportant sa conclusion, sa résolution. Une tendance immorale à traiter avec l'impie, comme disait Henri Boguet. Mais si je puis me permettre, avec le désir légitime d'expulser les racines du mal. Du point de vue d'un bannisseur, une hantise est une histoire attendant sa conclusion. Cette résolution, comme il l'appelle, se fait lorsqu'un bannisseur rassemble les personnes impliquées dans un retour pour exposer la situation et choisir parmi différents rituels afin de le résoudre. À la fin de la résolution, les antagonistes ont été purifiés de manière plus ou moins douloureuse pour tous les protagonistes. Alors attends, encore, putain, il y a des choses à lire. Lors d'un rituel de libération, le bannisseur affirme délier le fantôme de la raison pour laquelle il est resté. Une affaire non réglée, une promesse, la colère, la rancœur, l'amour, etc. Libéré par les mots du bannisseur, libre de ce lien au-delà de la mort, il peut désormais accéder à l'ascension. Pour libérer un fantôme, un bannisseur doit avoir compris ce qui était en jeu et la vraie raison pour laquelle le fantôme est resté. C'est probablement l'élément le plus contestable de leur art, puisqu'aucun marché ne peut être conclu avec une créature de l'ombre. C'est la raison même pour laquelle il est toujours bénéfique pour un bannisseur de réaliser un rituel de bannissement, afin de renouer avec la véritable origine de ses traditions. Il ne perd pas de temps à inviter l'esprit maudit à s'en aller gentiment. Il force le fantôme à partir, à retourner dans l'abysse. Il s'agit du meilleur moyen de s'occuper des engeances démoniaques récalcitrantes. Ce rituel devrait être mis en œuvre contre tout esprit sans discussion ou enquête, le dit esprit étant ouvertement hostile ou cherchant à obtenir notre pitié avec malveillance. Pas mal. Bah comme quoi, je prends la peine de lire et on apprend des choses. Bon après, je sais pas si vous lisez de votre côté, mais... c'est pas le cas, au moins vous m'aurez entendu lire tout ça. À l'intention des démons qui souillent l'endroit de leur corps en décomposition à moitié mangée et leurs flèches sanglantes brisées et tranchantes. Honte à vous! C'est Hulk! Cet endroit est tellement désert qu'il pourrit. Et bientôt la bicoque va nous tomber sur la gueule. Ah, bracelet d'harmonie. On regarde. Dégâts au point, colère. Donc, ok. Esquiver avec Antea augmente de 30% les dégâts de sa prochaine attaque au point. Ah, bien! Très, très bien. Il y a des traces de vie là-bas. Comment ça? Ah, ouais. Exact. On dirait qu'il y a un petit village. Je pense qu'on est parti pour faire le tour. Hein. Poupi poupi papa pou, je me promène dans les bois et je suis accompagné d'Antea, mon amour. Mon amour m'a dulciné, l'amour de ma vie. Sans elle, je ne saurais quoi faire. Je perdrai goût à la vie. Ah. Attends, j'ai vu qu'il y avait une plante derrière. Tac. Ah mais quoi encore?
Ils ont amené des amis. Ce n'est pas encore terminé. Ça, je sais. Ça doit être le camp dont parlait l'autre folle. Il ne paye pas de mine vue d'ici. C'était qui, au juste? Une sorte de chasseuse. Et apparemment, ta tête ne lui revenait pas. Quand les temps sont durs, rares sont ceux à aider un étranger. Bon, après, Red, je veux pas prendre sa défense, hein, mais... t'as dit gamine. Et je pense qu'elle a pas aimé. C'est à partir du moment où tu as dit « écoute, gamine », qu'elle s'est dit « non, mais c'est même pas la peine que je continue à lui parler », qu'il se démerde. On s'en est bien sorti contre ces marchosseux. Tu t'en es bien sorti. Ça fait bizarre de voir les morts de ce côté. Ils sont à la fois curieusement familiers, mais tellement plus affreux. Des fortifications, des têtes d'enterrement, pas un bon signe. Alors repose-toi, fais le plein de provisions. Et on reprendra ensuite la route de Newton. Excusez-moi. Bonjour, madame. Et bonjour à vous, monsieur. Je ne vous avais jamais vu. D'où venez-vous, dites-moi? Ça, c'est une longue histoire, madame. Je suis Red MacRaes, le bannisseur. Edith Keane. Mademoiselle Keane, si vous préférez. Voilà, nous ne sommes plus des étrangers. Même si les temps qui courent demeurent étranges. Ah, à ce point? Oh, je suis certaine que nous nous en sortirons. Mais pour l'instant, nous sommes épuisés et affamés. Vous êtes ici toute seule? Dans le Nouveau Monde, je veux dire. Pas de famille en Angleterre? Je ne suis pas mariée, si c'est la question. Et je ne souhaite pas le devenir. J'ai un terrain à cultiver et un frère à nourrir. Ça suffit. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Pourquoi vouloir de la soie quand toute cette merde est à moi? Vous êtes un peu seul. Vous êtes plutôt beau, okay. Mais vous n'avez pas l'air riche. Vous savez ce que vous devriez faire? Épouser un homme avec de l'argent. C'est une certaine philosophie de la vie, hein. Écoutez, pourquoi je voudrais de la soie alors que vous avez vu toute la merde que j'ai avec moi, là? J'ai trop bien. Moi, je reste avec la merde. Quoi de neuf? Excusez-moi, monsieur, j'ai pas le temps de discuter. Dieu bénira cet endroit, mais il a besoin de nous pour son œuvre. Vous comprenez? Bien sûr. Je dois partir. Prenez soin de vous, monsieur. Grâce à Dieu, de meilleurs jours nous attendent. C'est cela, oui, c'est cela. Alors nous, on est là, Dakodak. On va regarder vite fait ce qu'il y a par ici. Là, c'est fermé. Toi, tu parles ou pas? Bonjour à vous. Je suis Red MacRaes. Le bannisseur. Comment vous êtes arrivé ici? Ça n'a pas été facile. Je l'admets. Je vous crois. Seuls ceux qui savent manier une arme osent aller dans les bois. Nous autres, on reste coincés ici comme des idiots, en attendant d'être nourris. Moi, c'est Daniel Keane. Un lien avec Edith? Oui. On est jumeaux. Mais on est différents. Elle adore raconter des histoires et s'écouter parler. Elle a un faible pour tout ce qui est dramatique. Et en ce moment, la vie l'est suffisamment. Je me demandais, qu'est-ce qui vous a amené dans le Nouveau Monde? Pourquoi ce saut dans l'inconnu? Comme beaucoup ici, on est venu en quête d'une vie meilleure. Tu parles d'une vie meilleure. Alors, Daniel, quelles sont les nouvelles? Ne m'en voulez pas, monsieur MacRaes, mais j'ai des corvées qui m'attendent.
Même un pauvre fermier doit faire sa part. Enfin, tu dis ça, mec, mais... T'es adossé à une palissade en bois, donc je vois pas trop ce que t'étais en train de faire quand on est arrivé. Je sens que même lorsqu'on va partir, tu vas rester adossé là où t'es. Bon, à plus tard, Daniel. Ouais. Essayez de ne pas mourir d'ici là. Et toi, essaie de pas trop t'épuiser à la tâche. Donc là, je peux pas y aller pour l'instant. Là, ça me dit d'aller à droite. Du coup, je vais aller à gauche. Au niveau de cette baraque, est-ce que je vais pouvoir y aller? Et la réponse est non. Ensuite... Vous en êtes sorti. Bonjour. Ouais, je... Bah oui, hein. Le talent. Je ne peux rien vous dire d'autre. Le talent. Et une bonne dose de chance. Et aussi parce que j'ai ma petite amie qui est une fantôme. Donc ça m'aide beaucoup. Mais ça, je le dis pas fort. Ah bah c'est bien, on peut les espionner. Allez-y, mesdames. Je vous observe via la fenêtre qui est grande ouverte. Venez, j'ai à vous parler. Oui, mais moi j'ai tout mon temps. Oh, bah tenez. Pierre de sorcière, ouais. Ça, je récupère. C'est moi ou ça a l'air grand? Ah ouais, quand même. Ça fait sa taille. Je me permets de vous dépouiller. Vous êtes nouveau? Bonjour à vous. Red MacRae, madame. Ah, j'ai le soleil dans la gueule. Vous êtes bien loin de l'Écosse. Vous êtes perdu? Je ne suis qu'un bannisseur ambulant. Je ne fais que passer. Ah, vous êtes bannisseur. Je m'occupe des vivants, au nom du Seigneur. Je lui laisse les morts. Vous devriez faire de même. On fait tous de notre mieux. J'aide les morts à mourir pour que les vivants puissent guérir. Je ne profite pas de la peine des autres. C'est dans notre monde que je les aide. Laissez le paradis et l'enfer à leur maître. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail, contrairement à d'autres. Je n'ai pas saisi votre nom, docteur... N'allez pas m'appeler docteur devant le gouverneur. Appelez-moi madame. Madame Evelyn Fitcher. Vous êtes l'ancêtre de Michaela Quinn dans Dr. Quinn, femme médecin? Dites-moi, madame Fitcher, comment êtes-vous devenue médecin? Je ne suis pas médecin, cessez de m'appeler ainsi. Mon père l'était. Je me suis intéressée à son travail, il m'y a encouragée. Il disait que Dieu faisait son œuvre à travers toutes les mains volontaires. Qui plus est, il avait besoin d'aide. Il souffrait d'arthrite. Les patients de mon père ne mouraient pas, ce qui était assez inhabituel. Les gens lui faisaient confiance, et à moi aussi, comme j'étais sage-femme. À sa mort, ses patients sont devenus les miens. Et vous? Dans les pas de qui avez-vous marché pour devenir bannisseur? Ceux d'un ami très cher. Je lui en serai toujours reconnaissant, car c'est ainsi que j'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai tellement envie de me montrer là, maintenant. Tellement. Parlons d'autre chose. Du monde qui nous entoure, par exemple. Le monde qui nous entoure est tenu par les sœurs Newsmith. Moi, je me contente de m'occuper de mes patients. Ok, docteur. Donc un jour, cette femme se mariera avec un certain Quinn. Et ensemble, ils auront un enfant qu'ils nommeront Michaela. Je vous laisse. Grâce à ça... Le Seigneur vous guidera, bannisseur, il y aura si vous le laissez faire. Un médecin femme qui fera des choses incroyables dans une communauté qui était assez hostile envers elle au départ.
Tiens, tu bonjour. Prendre la mer, Rad Macrae, monsieur. Dans quelle direction votre bannisseur, pour vous servir. J'avais rencontré votre ami à New Eden. Ah oui, depuis, c'est vrai. Les choses ne se sont pas améliorées, malheureusement. N'est-ce pas? En tout temps et en tout lieu, un homme a besoin d'aide. Voulez-vous jeter un œil à mon vaste assortiment d'articles pratiques et abordables? J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver un magasin dans les parages. Où que les gens aillent, le commerce suit. Les choses vont mal, mais tant qu'il y aura de l'argent à faire, tout n'est pas perdu. Vous avez transporté toutes ces marchandises avec vous? Sur votre dos? Pas avec mon cœur fragile, non. Et j'ai quitté New Eden avec un cheval et un chariot. Après avoir mangé le cheval, j'ai employé mes compagnons comme porteurs. D'accord. Vous quittez New Eden pour de bon, alors? Peau dure m'a convaincu d'aller à Boston. Je n'ai pas changé d'avis. Mais pour l'heure, nous sommes coincés ici, avec la bête. Et les affaires continuent. Regardez autour de vous. Les gens d'ici ont traversé l'enfer pour... ça. Mes provisions servent à rendre leur vie un peu moins difficile. Et à des prix abordables. Et d'un point de vue personnel, je trouve que même les temps les plus difficiles passent mieux avec une bourse pleine. Quelles nouvelles par ici ? Racontez-moi. Vous n'entendrez pas de ragots de ma bouche. Pas gratuitement, en tout cas. Putain. Je vous souhaite une bonne journée. Comme quoi, lui, il a bien rebondi. Allez, demi-tour. Toi, je t'ai pas causé ? Je ne vous connais pas. Rad Macrae, j'ai été invité par Kate Newsmith. Enchanté. Ah, celui qui jouait aux acrobates dans les arbres. Un vrai Américain, une vraie Américaine. Les nouvelles vont vite. Merci. À qui ai-je l'honneur? Vous pouvez m'appeler Jane. Vous êtes la première véritable autochtone que je rencontre. Où sont les autres? Il n'y a pas de tribu locale ici. Oh. Pourquoi donc? Les Wabanaki sont partis il y a plusieurs générations. Ils pensaient que cette terre était maudite, et portait malheur à ceux qui la foulaient. Ah, alors vous n'êtes pas du coin non plus. Non. Et pourtant, je suis la moins étrangère de vous tous ici. Dites-moi, comment ça va dans le camp? On a quitté New Eden à cause de la malédiction. Maintenant, on est piégés ici. Kate et Podure travaillent dur, mais le gibier est rare, et l'espoir encore plus. Bien, je vous laisse. Bonne journée. Une Amérindienne, ouais, une Amérindienne, mais moi j'appelle... enfin... des vrais Américains. N'oublions pas que les vrais Américains ont été génocidés hein, par les colons. Non, toi, je t'ai déjà causé. Non, je peux pas passer. Ici. Non, je peux pas. Là, je peux descendre, mais le but, hein, c'est pas que j'aille me disperser dans la pampa à faire je ne sais quoi. Là, on va aller voir la chasseuse. Arrêtez donc de tergiverser, bannisseur. Haha, elle s'impatiente. Meuve là. Vous avez fini par nous trouver, Rad Macrae. Ouais, pas grâce à vous. Je voulais m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. Au fait, moi c'est Kate Newsmith. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. Elle est vachement aimable, hein. Ah, Newsmith. Un lien avec Podure? Oui, c'est ma sœur.
On l'avait rencontré en ville avec Antea. Baudur ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Et au fait, mes condoléances. Pourquoi me dirait-on de dégager ? Celui qui ne participe pas à la vie du campement dégage. Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. C'est toujours mieux que de te tuer et de te bouffer. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Ake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelque temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir ce qui se passe. Super ! Ah ça, c'est de la quête. Comment ça se passe à New Eden ? J'y retourne, justement. Vous êtes fou. Vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais, New Eden n'est plus que mort, désolation et pestilence. Des types de notre groupe ont voulu y retourner. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus. On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont jamais arrivés. Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. Culpabilité. Peur. Il veut sauver les apparences, mais son regard ne trompe pas. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette Prudence Ake et tenter de voir ce qui se passe. Si vous ne trouvez pas Prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps, c'est encore pire. Parlez à Jane, parlez à Prudence, parlez au forgeron, parlez à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien, c'est noté. Il reste une cabane inoccupée. Un arbre est tombé dessus. Mais vous pouvez profiter de ce qu'il en reste. Bienvenue au Bois Sombre. Cool, c'est vachement sympa. Bon bah vas-y, hein. Et quand vous étiez dans les bois, vous avez vu beaucoup de marcheurs osseux ? Pardon ? Des marches, quoi ? Des marcheurs osseux, des cadavres possédés, des morts qui marchent. Vous le sauriez si vous en aviez vu. Dieu merci, jamais. Et vous ? Bien sûr que non. Je pose la question comme ça, par curiosité. Les marches osseux semblent attirées par nous, mais pas par eux. Est-ce que c'est toi ? Ou moi ? Ou nous deux ? Bonne nuit, bah merde, j'ai pas vu. Bonne nuit Yves, bah, il doit être parti déjà, puis bah, bonne nuit aussi à toi Val. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar ? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous, les bannisseurs, appelons la créature dans l'église. C'est une espèce de fantôme. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée. Ma sœur le savait. Après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves. Vous pouvez m'en dire plus ? C'est peut-être à cause de la faim ou de la peur. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup, mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange, en effet. Enfin bon, ce n'est qu'un rêve. Vraiment ? Hormis peau dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête. Alors on ne s'éloigne plus. Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal. Ou on peut mourir dans les bois, dévoré par une bête sauvage. On a choisi de vivre. T'énerves pas, hein ? J'ai des questions sur le campement. Je vous écoute.
Où est votre sœur? Elle est partie patrouiller. Chasser, si elle trouve du gibier. Une news miss reste, une news miss part. Elle est partie seule? En matière de chasse, personne ne lui arrive à la cheville. Elle dit qu'on ne ferait que la ralentir. Vous êtes là depuis longtemps? Ah, bonne question. Aucun d'entre nous ne le sait vraiment. Pour les uns, le temps file, pour les autres, il stagne. Sans nuit, c'est difficile de compter les jours. Et que dirait Podure? Elle dirait environ un mois, mais elle mentirait. On a compté les jours toutes les deux, mais on n'est pas arrivé au même résultat. Le cauchemar altère la perception du temps. Ces gens n'ont pas échappé à la malédiction. Qui pourra avoir besoin d'aide par ici? Quelque chose ne tourne pas rond à la forge. Vous devriez commencer par là. Je vais vous laisser tranquille. Reposez-vous. Vous en aurez besoin pour le retour de ma sœur. Je viendrai vous chercher le moment venu. Ok. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. Excusez-moi. Alors, dans ce coffre, qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, il y a... C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. Faut trouver une cabane avec un arbre au niveau du toit. Est-ce que ce serait pas la cabane qu'on a vue tout à l'heure? Ah, mais oui, tout à fait, c'est droit devant. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais oui. Là, regardez, l'arbre. L'arbre est tombé sur la cabane, mais la cabane a bien résisté, hein. Pas mal. J'ai connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que... Regardez, le toit, il est encore là. Hein. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob Lind. Tiens, clé des réserves des trappeurs. Et on a reçu également une note. De quoi un fantôme est-il fait? Les traditions et anciens écrits nous enseignent que les fantômes ne sont qu'un type parmi d'autres de créatures mort-vivantes rôdant dans l'ombre. Tout comme les effrayants vampires que j'ai étudiés et observés dans ma jeunesse. Ils se nourrissent des vivants et les menacent. Mais je pense sincèrement que les fantômes sont principalement faits de souvenirs. De souvenirs de qui ils étaient, de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'on leur a fait. De souvenirs de ce qu'ils auraient dû faire ou non. Les fantômes sont liés à leur passé, qu'ils aient été joyeux, blessants ou mauvais. Et tandis qu'ils dépérissent lentement et oublient qui ils étaient et pourquoi ils sont restés, ils ne peuvent compter que sur ces événements, objets, émotions ou mots particuliers qui les ont empêchés de fuir notre monde après la mort. Comme les escargots et limaces, ils laissent des fragments de leurs éléments partout où ils passent, tels des bouts de tissu dont ils sont faits. Certains les qualifient de vestiges, d'autres d'écho. Les bannisseurs doivent toujours faire attention à ces traces laissées par les fantômes. Elles indiquent souvent la raison pour laquelle ils sont encore là. Le plus triste dans tout ceci, alors qu'ils se répètent et reviennent constamment à la maison pour laquelle ils sont restés, est qu'ils oublient irrémédiablement tout le reste, jusqu'au jour où ils cessent d'être qui ils étaient. Charles Davenport. Toujours pas de déco, et salut à toi Dylan. Pas de déco. De désynchro. Ça fait 3 heures qu'on joue, voilà. Plus de 3 heures. On risque plus de mourir de froid. Enfin, moi du moins. Inventaire, on va regarder encore une fois. Non, attends, mais pourquoi je fais ça? Je sais pas. Faut que je fasse ça. Là, je peux pas. Là, je peux pas.
je peux pas. Non. Non plus. Là oui. Évolution. On va faire dans dévoiler, tonus, bannir augmente. Je vais prendre ça. Ok. Petit dodo. Yes. Faites vos preuves. Tiens, j'ai pas fait gaffe là. Lettre abandonnée. Ma chère Evelyne, comme tu le sais, Alexander et moi devons rentrer chez nous. Le plan des New Smiths semblait être bon, mais Dieu nous appelle à New Eden. Les chevaux et leur pâturage ont disparu, mais la maison tient toujours. On reconstruira tout ou nous mourrons chez nous. Je t'écris pour te remercier de ta gentillesse et ton soutien indéfectible. Surtout quand je pensais que mes poumons malades me tueraient. Merci du fond du cœur, que Dieu te bénisse. Ta chère amie, Elisabeth. Hop. Et nous, sur ce, les amis, on va s'arrêter ici. On va sauvegarder. Tac. Donc là... Là. Donc là, attends. Minuit 28 ? Ah ouais, il est minuit 28. D'accord, ok. Quand j'y ai joué, c'était le 11. Ah mais oui, le 11, j'ai posté la vidéo le 12. Et là, on est 14. Enfin, on est le 14 parce que là, ouais, ça fait une demi-heure qu'on est le 14. Enfin bref, j'aime bien. Il y a autant de joueurs qui se séparent, mais non. Ouais, on va s'arrêter ici pour ce soir, les amis. On aura fait quand même pratiquement. Bah, on a fait ouais 3h15 de stream, 3h15 de stream. Donc, on a bien avancé. Tu vois, ce stream de 3h15, ça équivaut à 3 épisodes d'une heure. Donc, 3 vidéos sur 3 jours. Donc, ouais. Je pense qu'on a bien fait de le continuer en live. Comme ça, on va avancer bien plus vite. On va le terminer bien plus vite. Et moi, ça va me libérer de la place dans le planning pour vous proposer d'autres VOD dans les jours et semaines qui viennent. En tout cas, voilà. On fera très certainement la suite demain soir, si j'ai le temps. Normalement oui, je vais essayer de faire tout pour. Et puis bah voilà, n'oubliez pas le petit like si c'est pas déjà fait avant de partir. Et bah moi je vous dis bonne nuit à vous tous, hein. Merci d'avoir été présent ce soir pour cet épisode 2 de Banisher. Rendez-vous donc, ce soir, 21h15 logiquement pour l'épisode 3. Peut-être qu'on fera un peu moins longtemps, on verra bien. Mais en tout cas, on va le continuer ce jeu, ça c'est clair et net, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, de toute façon si vous êtes encore là, c'est que oui. Donc ouais, bonne nuit tout le monde, bonne nuit tout le monde, et à tout à l'heure pour de nouvelles vidéos, et à ce soir pour un nouveau stream, logiquement sur ce jeu. Allez, ciao, bye bye.